avons la victoire en Jésus. Il est notre époux. Oh, s'il est notre époux, nous sommes l'épouse de Jésus. Oh, est-ce que vous pouvez dire encore Amen? Est-ce que vous pouvez dire encore Alléluia? Il faut que quand vous louez Dieu, Dieu sent. J'ai l'épouse sur la terre. Il est déjà fatigué avec les anges. Fatigué avec les anges. Il aime voir son épouse. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Oh, qu'il soit loué. La parole ne trouvera pas la place. Il faut d'abord que je l'adore. Hein? Quand je l'adore. Non, chef, quand on l'adore. Chef, il se lève du trône. Il peut crier. Prenez ces chèvres là. Prenez les chèvres là. Coupez la tête. Amen. Amina. On a tué Jean-Baptiste à cause des louanges. Oh, est-ce que vous pouvez vous sentir Amen? Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Nous, mon ami, je vais un peu chanter spécial. Mais nous allons chanter ensemble. Amen, amen, amen. Amina. Amen, 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 amen. Amina. Nili ona mukono wa Bwana. Nili ona utukufu wa Bwana. Nili mona kutembea pa maji. Aleluya. Nili ona vipofu vinaona. Aleluya. Nili ona ufu.
Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez applaudir?
sentons bien. Tuna jisikia vizuri. Amen. Amina. Nous nous sentons bien. Tuna jisikia vizuri. Je me sens bien plus que David. Mina jisikia vizuri kupita Daudi. Je me sens bien comme plus que David. Mina jisikia mzuri kupita Daudi. Parce que la promesse que j'ai. Kwa sababu malako niko nayo. David n'a pas eu ça. Daudi hakupata malako ile. David a eu seulement l'adoration sous le sang de Dieu. Mais il se sentait bien d'aller dans la maison du Père. Mais moi j'ai la promesse. J'ai le parfait. J'ai la gloire. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Est-ce que vous vous sentez bien? Maintenant nous pouvons aller à la parole de Dieu. Vous savez, c'est la vie maintenant. Est-ce que vous voulez la vie? Nous allons prendre la Bible. Je prends dans l'Apocalypse chapitre 10. Je commence par le verset 1er jusqu'à 7. Nitaanza kwa mstari yake ya kwanza mpaka mstari yake ya saba. Je vis, pardonnez-moi, monsieur. Uniwerazi macho. Je vis un ange. Niliona malaika mwingine. Je vis un autre ange puissant. Niliona malaika mwingine uwezo. Qui descendu du ciel. Mwenye alikuwa kishuka kutoka mbinguni. Alivikwa na wingu. Au-dessus de sa tête. Juu ya kichwa yake. Était l'arc-en-ciel. Kulikuwa pindo wa mvua. Et son visage. Na uso yake. Était comme le soleil. Ilikuwa sawa jua. Et ses pieds. Na miguu yake. Comme des colonnes de feu. Ilikuwa sawa nguzo ya moto. Il tenait dans sa main. Alikuwa kishika mikononi mwake. Un petit livre. Kitabu ouvert. Kidogo yenye ilikuwa wazi. Il posa un pied droit sur la mer. Akatia mkono mguu yake ya kuume juu ya bahari. Un pied gauche sur la terre. Mkono mguu yake ya kushoto juu ya bahari. Il cria d'une voix forte. Akalamika sauti kubwa. Comme rugit un lion. Gisi simba analamikaka. Et quand il cria. Na wakati analamika. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. Mingurumo saba ikasikia sauti yao. Et quand les sept tonnerres. Wakati mingurumo saba. Ils firent entendre leur voix. Ilisikiza sauti yao. J'allais écrire. Nilikuwa kuandika. J'ai entendu du ciel. Nikasikia kutoka mbingu. Une voix qui disait. Sauti nikasema. Celle ce qu'on dit. Funga kile enye mingurumo saba ikasema. Na usiandike. Et l'ange que je voyais. Na ule malaika mwenye likuwa kiona. Debout sur la mer. Mwenye likuwa juu ya bahari. Et sur la terre, na mwenye kwa juu ya udongo leva sa main akainua mkono yake ya kuume mbinguni et il jura par celui qui vit au ciel na kalapa kwa ule mwenye anaishi makarne na makarne qui a créé le ciel et les choses qui sont mwenye aliumba mbingu na vitu vilivyomo na udongo na vitu vilivyomo la mer et les choses qui bahari na vitu vilivyomo il n'y aura plus de temps hakutakuwa tena wakati mais qu'au jour de la voix du septième ange lakini kwa ile siku ya malaika wa saba wakati atapika trompeta si ile siri ya Mungu itatimilika comme il a annoncé Isa litangazia watumishi wake wa nabii. Nous pouvons maintenant nous asseoir. Munaweza kuikala hapa sasa. Avant de continuer, mbele niendeleshe. Il y avait un peu de petites questions. E kulikuwa maulizo kidogo kidogo. Revenir un peu pour le vendredi. Et tunaweza kurudilia kwa ile ya siku ya kazi tano mbili tuendelee kwa siku ya leo. Wow. Souvent nous sommes habitués au Dieu Père. Et wakati ingine sisi tunazoea kwa Mungu Baba. Et quand nous avons parlé de Dieu Mama ça a essayé un peu d'amener. Wakati tulisemezea kuhusu Mungu Mama ilisumbua watu kidogo. Et kuleta maulizo. Tu voulais un peu parler un peu seulement. Nilipenda niangazie kidogo kwa ile. Et puis nous allons continuer. Kisha pale tutaendelea. Ok mes frères, comme je vous ai dit le vendredi. Ndiyo ndugu yangu Bogis tulisema siku ya kazi tano. L'image de Dieu. Ya kwamba picha ya Mungu. Il était mâle et femelle. Ye alikuwa ukike na kuume. C'est ça l'image de Dieu. Ile ndio picha ya Mungu. Et quand il a créé l'homme à son image. Wakati aliumba mtu kwa picha yake. Il a créé l'homme homme et femme. Aliumba mtu mwanaume na mwanamke. Et cet homme qu'il a créé n'était pas l'homme de la chair. Mtu mwenye aliumba kwa mtu wa minofu. C'est l'homme esprit. Ilikuwa mtu roho. C'est-à-dire quand on parle de Dieu femelle, wakati unasema Mungu ce n'est pas le sexe.
Aiko kusema tendo ya ndoa. Dieu qu'on a créé à l'image de Dieu. Alakini ule Mungu mwenye aliumba mtu pas de sexe. Ule mtu mwenye aliumba picha Mungu. L'esprit n'a pas de sexe. Roho haikuwake na sexe. Quand on parle de Dieu maman n'est pas un Dieu qui a de sexe. Wakati wanasema Mungu mama sio Mungu sawa mwanamke. Adam wakati walimuumba à l'image de Dieu. Picha ya Mungu. Il n'avait pas de sexe. Hakukuwa mwanaume wala mwanamke. C'était un esprit. Ilikuwa ni roho. Mais qui avait un caractère d'homme. Alakini enye ilikuwa na tabia ya kiume. Avec une nature de na femme. Na pia ile utabia ya ukike. C'est dans le chapitre 2. Na katika sura yake ya pili. Dieu a créé le sexe. Mungu akaumba kuachanisha uume na ukike. Il n'a pas séparé. Il a créé le sexe. Akaumba sasa ile kianamuke wala kianaume. Il a créé un homme avec le sexe maxillaire. Akaumba mutu na uume. Mais il a pris cet esprit double. Akachukua ile roho mbili. Il l'a mis dans cet homme là. Akaitia ndani ya huyu mtu huyu. Amen. Amina. Quand nous disons Dieu maman ne regarde pas une femme. Wakati tunasema Mungu mama msiangalie mwanamke mwenye iko na ile namna ya mwanamke. Quand nous disons que je suis l'épouse, wakati mimi nasema niko bibi harusi, je n'ai pas avec le sexe féminin. Haiko kusema mimi niko mwanamke. C'est l'esprit féminin. Ni ile roho ya ukike ya Yesu Kristo ndani yangu. Amen. Amina. C'est ça, ce sont des histoires qui devraient être enseignées dans l'école des dimanches. Quand je suis arrivé dans la classe des adultes, je commence à voir revenir sur des petites choses. C'est une erreur que vous faites. Nikosa enye munafanyaka. L'école de dimanche n'est pas seulement pour les enfants. Ile somo ya yenga sio tu kwa ajili ya watoto. Mbona mdike c'est un péché un parent qui reste à la maison quand les enfants sont à l'école de dimanche, c'est un péché. Ndubra masema ni zambi wakati watoto wanawatuma mu école de dimanche. Quand on enseigne les enfants, nous devons être là. Wakati wanafundisha watoto wetu tunapasha kuwa na sie pale. Les élémentaires, nous savons ce qu'on enseigne nos enfants. Et tu kona bile bia chini wanafundisha watoto wetu. Ndubra nanja kumionyesha tu bintu. Commence à vous enseigner maintenant de telles choses. Quand je parle de Dieu au féminin, wakati mina sema Mungu muukike, avec un caractère féminin. Ni kusema ile tabia Dieu est esprit. Mungu ye ni roho. Il a formé un, il avait l'esprit. Cet esprit était mâle et femelle. Alikuwa na ile roho moja yenye ilikuwa roho moja moja ukike na ukume ndani. Alors quand il est allé chez Abraham, wakati alienda kwa Ibrahimu, il n'est pas allé comme un avec l'esprit et avec le caractère d'homme. Ye akuenda mwile tabia ya bomutu kwa Ibrahimu. Il a pris cet esprit féminin. Akachukua ile roho ya ukike. Il l'a mis dans un corps. Akaitia ndani ya mwili. Et il est venu à visiter Abraham. Na akakuja kutembelea Ibrahimu. C'est pourquoi il n'était pas un père. Ndio maana hakukua baba. Il était une mère. Ye alikuwa mama. Amen. Amina. Je vais vous lire, c'est juste pour. Neni tamisomea tu kwa ajili ya. Il dit dans Alliance grâce d'Abraham. Anasema ile agano ya neema Ibrahim. Je commence par 43. Emi naanzia kifungu yake ya 23. Il a prêché le 17. Alihubiri tarehe 17 mars. Mwezi ya 3. Attends d'abord, je vérifie les années. Mwenyewe razi ni mpatie mwaka. Not witness. Il a prêché. Attendez, je regarde un peu. La date aussi est très importante. Tare pia ya mahubiri iko ya maana zaidi kabisa. L'alliance grâce d'Abraham. Il est agano ya neema ya Ibrahim. Très important aussi la date. Kujua tarehe na pia ni ya maana. Le 17 ya tarehe 17. Attendez mes frères. Univeration tu. Le 17 mars 1961. Et tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 61. Suivez mes frères. Mufuate wa ndugu anasema Dieu est esprit. Mungu yeye ni roho.
Il conduit son peuple à un esprit et à la vérité. Et sa parole est la vérité. Jésus était sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair, habité parmi nous. Eh bien, il lui a apparu comme le Dieu tout-puissant. Ça vient du mot hébreu El Shaddai. El Shaddai. Qui veut dire il en a manisha, Shad signifie il en a manisha, Mamel Majiba. En hébreu et quoi, maintenant il n'était pas le Dieu porteur d'une mamelle. Mais Shaddai, Shaddai c'est au pluriel. Dieu porteur de mamelle. Je suis le Dieu qui porte des mamelles. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui est suffisant. C'est lui qui donne la vie. En d'autres termes, il a apparu à Abraham. Il est apparu à Abraham quand celui-ci avait 99 ans. Abraham, pour aller comme des humains, pour parler comme des humains, il n'était plus homme que ne laisserait un tout petit nourrisson. Il serait malade. Sa virilité était partie et la matrice de Sarah n'était plus en état de porter un enfant. Mais il a dit, je suis El Shaddai. Mimi ni El Shaddai. Je suis le Dieu Mama. Mimi ni Mungu Mama. Porteur de mamelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu connais le moyen que c'est Mamina? Et vous savez, Dieu signifie l'objet d'adoration. Quand il est allé chez Abraham, consoler Abraham, il n'est pas parti comme Dieu le Père. Il est allé comme Dieu Mama. C'est pourquoi il y a des fois, quand Dieu vient à toi, tu te connais qu'il vient dans quelle forme. Et comment l'adorer. Et quand il vient comme El Shaddai, avec des mamelles, c'est ta mère. Et tu dois l'adorer comme mère. Amen. Amina. Là, c'est une révélation du temps du soir. C'est pourquoi Jomana, nous, les gens de gens, si wa mataifa, on n'adore pas Dieu mâle. On adore Dieu femelle. Il est mâle chez les Juifs. Quand il vient chez nous, il est une femme. C'est pourquoi nous l'adorons dans les Juifs. Moi, je n'adore pas le Dieu le Père. Mimi si abudu Mungu Baba. Je n'adore pas le Dieu le Fils. Mimi ni abudu si abudu Mungu Mwana. J'adore Dieu Saint Esprit. Mimi abudu Mungu Roho Mtakatifu. Dieu à moi. Mungu mwenye ko ndani yangu. Et je suis l'épouse. Na mimi niko bibi harusi. Vous devez connaître quel Dieu. Dieu le Père, c'est au ciel. Mungu Baba ni mbingu. Dieu le Fils, c'est Dieu parmi Mungu nous. Emmanuel. Mungu ni Emmanuel mu katikati yetu. Et Dieu, na Mungu, comme Fils, esawa mwana, quand il dit
baptisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce sont des travaux de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Et quand il a travaillé comme père, wakata il était au-dessus de nous. Le même Dieu. Au-dessus de nous. Nous l'appelons père. Si baba. Le même Dieu. Parmi nous. Katikati nous l'appelons fils. Mwana. Le même Dieu. Yule mumoja moja. À nous. Danietu. Nous l'appelons Saint. Rome takatifu. Amen. Amina. Je vais vous dire une chose encore. Ajouter. Le fils, Mwana, c'est Dieu, ni Mungu, époux, Mbwana Rusi. C'est ça le fils. Il est Dieu. C'est Dieu qui travaille comme époux. Ni Mungu mwenyana tumika so Mbwana Rusi. Mais le Saint-Esprit. Alakini Rom Takatifu. C'est Dieu épouse. Ni Mungu bibi arusi. C'est Dieu qui travaille. Ni Mungu mwenyana tumika. Comme épouse. Sawa bibi arusi. Dieu à nous. Mungu ndani yetu. Hallelujah. Amina. Vous devez connaître que aujourd'hui Dieu est dans l'épouse. Aujourd'hui, Léo, Dieu, Mungu, il est venu nous visiter. Comme El Shaddai. Sawa El Shaddai. L'épouse. Yeah, Bibi Arusi. Comme chez Abraham. Sawa kwa Ibrahimu. Dieu maman. Mungu. C'est pourquoi. Mama. Jésus a dit comme c'était le jour de Sodome. Parce qu'il savait que quand il est allé au Sodome, il est venu comme El Shaddai. Dieu mama. Mungu mama. Et aujourd'hui, na leo, il devait venir. Ye alipasha kuya. Dieu mama. Mungu mama. Et nous adorons Dieu. N'assiste na bodo Mungu. Mama. Mungu mama. Le porteur. Yule mwenye. De mamel. Anabeba majiba. J'ai dit à Narare un jour. Et nilisema siku moja hivi. Le Dieu qui adore. Et yule Mungu tunabudu. Moi. Mie. Il a de mamel. Iko na majiba. C'est mon Dieu, il a de ma mère. Ni Mungu wangu iko na majiba. Le promesse du jour. Malako ya siku. Je ne veux pas un Dieu qui n'a pas de promesse. Et mimi siwezi kwenda kwa ule Mungu mwenye hakuna benye alinilaka. Baba na mdile ma mère. Ndio nasema majiba. Promesse. Hayo ni malako. Et quand je tire de ces promesses, na wakati mina nyonya ça ile me donne la force. Inanipatia nguvu. Ça me donne la victoire. Inanipatia ushindi. Alléluia. Amina. Quand je dis Malachi 4, wakati mina Malachi 4, vous dites amen. Nasema amina. Ça vous donne la force. Inanipatia nguvu. Hébreux 13:8. Wa Hebrewia 13:8. Ça vous donne la force. Inanipatia nguvu. Jean 14:12. Yohane 10:12. Ça vous donne la force. Inanipatia nguvu. Plus vous mangez. Et inanikulisha. Plus vous devenez fort. Zaidi munakula zaidi munapata nguvu. Amen. Amina. Dieu mama. Mungu mama. Pour vous dire encore plus. Vous voulez saïdi, que j'ajoute encore. On a peine ni miongezeye. Jésus qu'on a vu par Jean. Ule Yesu mwenye Yohane aliona. Au ciel. Kule mbinguni. Était une femme. Alikuwa mwanamke. Ça ce n'était pas prévu mais je vais vous lire. Ile sikuitayarisha lakini sikuitayarisha kumielezea lakini nitamisomea. Je lis ça en anglais. Et niko nayo hapa mu Kiingereza. Je vais traduire ça. Et mimi nitatafsiria ile. Cet homme, uyu mutu uyu, qui marchait sur les sept chandeliers. Ule mwenye alikuwa akitembea mukinara saba. Frère Branham dit. Ndobra masema. Dans le message les sept âges. Et katika ujumbe za saba. Les sept âges de l'Église. Ile kitabu ile moya ya ile za saba. Hapana ile maelezo yote. Il a prêché le 12 mai. Ya tarehe 12 mwezi wa 5. 1954. Et mwaka 54. Paragraphe 204. Kifungo yake ya 204. Il dit. Anasema hivi. Now,
Maintenant, ça, that is the Bible, c'est la Bible. Eni Biblia, ini Biblia. That spirit said, ile roho inasema, the candlestick, e ile kinara, le chandelier, ile kinara. All right, now, sasa, the third verse, e ile verse ya tatu, ya 13, ya 13. And in the middle of the seven candlestick, golden candlestick, au milieu des chandeliers d'or, e katikati ile kinara ya saba ya ile ya zahabu, on lack. Il était comme il alikuwa sawa le son of man mwana wa mtu. Il était comme alikuwa sawa le fils de l'homme yule mwana wa mtu. This I think kifungo kia this what I c'est quoi ni nini one like him il était comme lui alikuwa sawa yeye. Who was this c'était qui ilikuwa nani his bride ni bibi arusi. C'était son épouse. Ilikuwa ni bibi arusi wake. One like him. Watch. Mwenye anamfanana unaona? How it was? Namna yenyewe ilikuwa. He was close. Alikuwa shakuvala manguo kwa njia kukichwa na mikono. Il était vêtu de la tête jusqu'au pied. The holiness of Jesus Christ. Utakaso ya utakatifu wa Bwana Yesu Kristo. Cover her. Ilikuwa ikimfunikia bibi harusi. Inafunikia ule mwanamke. Ah ni mwanamke. Ilikuwa ikimfunikia ule mwanamke. Ikamfunikia yeye. Elle continue dit. Anaendelesha nasema hivi. He watched us from our sin. Il nous regarde au travers de nos péchés. Il nous a lavé. Il nous a kutoka mzambi yetu. With his own blood. Na damu yake mwenyewe. All right. Sawa. He shared about the paps. Alikuwa na la ceinture était au niveau de mamelle. Et na alikuwa na mushipi ilikuwa mucheo ya majiba. Ule Yesu ule alikuwa na majiba. Ce Jésus là avait des seins. Il avait la ceinture alikuwa sur sa poitrine. Alikuwa na mushipi ilikuwa mukilari yake ya zahabu. Sur la, le mamelle. Ilikuwa juu ya majiba. Frère na metredi. Ndio baba anasema. Not a man. Akukuwa mwanaume. A woman. Alikuwa mwanamke. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu connais le monde des hommes, Amina? Jésus couya. Jésus vient. Jésus vient. Mon homme a couya. Et ils veulent voir un homme venir. Which a golden jute il avait. La ceinture d'or. Alikuwa na mushipi ya zahabu. C'était l'évangile. Ilikuwa ni injili. Qui avait la puissance. Enye ilikuwa na uwezo. La gloire. Ilikuwa na utukufu. Et Dieu partout. Na Mungu pote. Le corps de Jésus Christ. Mwili ya Yesu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et kuna yule anaweza kusema amina. C'est pourquoi frère. Ndio maana ndugu. Nous prêchons Jésus. Sisi tunaabudu Yesu. Révélé. Ule mwenye amefunuliwa. Et Jésus révélé. Na ule Yesu aliyofunuliwa. C'est l'épouse. Ni bibi harusi. Amen. Amina. C'est juste que pour vous dire. Ni kwa ajili tu kumielezea. Bon, je n'entre pas tellement en profondeur. Mimi siingie kabisa kwa uketo. Pour vous dire que. Kwa ajili kumielezea kwamba. Il y a la nature. E kuna ile tabia. De l'épouse. Ya bibi harusi. Que Dieu manifeste aujourd'hui. Enye Mungu anaonesha leo. Dans lequel vous devez l'adorer. Ndani yayo mnapasha kumwabudu. Je prends dès ce moment là. Mimi nachukua ile mahubiri tokile wakati ile. Paragraphe 51. Ya katika kifungo yake 51. Il prêche le 16 juillet 1960. Inye anaubiria tarehe 16 mwezi ya 7 mwaka 60. Il dit, anasema hivi. Nous aurons-nous le temps d'examiner cette confirmation du
au chapitre 16. Et tutakuwa na wakati kwa ajili ya kukigisha katika sura yake ya 16 ya mwanzo. Nous aussi examiner le chapitre 17. Et tunaweza kuangalia pia ile sura yake ya 17. Quand il a raconté sous le nom de Dieu tout-puissant. Wakati alikutana na naye mwele jina ya Mungu Mwenyezi. Ce qui signifie ile yenye inamaanisha El Shaddai. El Shaddai. Cela signifie ile inamaanisha en hébreu et kwa Ibrania le sein d'une femme. Ile majiba ya mwanamke. El Shaddai, celui qui est fort, yule mwenye iko mwenye nguvu, celui qui satisfait, yule mwenye anatosha, celui qui nourrit, yeye mwenye analisha. Il était vieux, yeye alikuwa Mungu, un homme de 100 ans, mtu wa umri wa miaka. Je l'ai raconté, Mungu alikutana naye, et lui a dit, na alimuelezea, je suis El Shaddai, mimi ni El Shaddai. Alléluia. Amen. Il venait à toi. Allez, walikuwa kwa ndugu na anasema, il ne sait pas, il n'a pas adoré les deux. Yeye akuabudu wale wengine wawili. Il a adoré, il a dit mon Seigneur. Yeye aliabudu moyo anasema Bwana wangu. El Shaddai. El Shaddai. Amen. Amen. Dieu mama. Mungu mama. Eh bien, basi. Shad, Eshad. Il dit je suis El Shaddai. Mimi ni El Shaddai. Eh bien, Shad signifie le sein d'une femme. Ile kilare mwanamke. Mais Shaddai signifie porteur de sein. Inasema ule mwenye anabeba majiba. Il n'est pas seulement un Dieu porteur d'un sein. Yeye haiko tu ule Mungu mwenye iko na majiba moja. Il est Dieu porteur de sein. Yeye ni Mungu mwenye iko na majiba. Alléluia. Amina. Dieu signifie Mungu anamaanisha objet ile d'adoration. Enye inaweza kuabudiwa avec le saint. Enye iko na majiba. Il a été blessé par nos péchés. Yeye aliumizwa kwa sababu za dhambi. Parce que nous maîtrisons, nous sommes guéris. Ego pitia vidonda yake sisi. Si vous avez besoin du salut. Kama uko na lazima ya wokovu. Accrochez-vous. We ushike na tete à ce saint. We unyonye majiba yake ya Mungu. Sa parole. Neno lake. Sa promesse. Malako yake. Vous sortirez de cette ornière du péché. Utatoka mwile mufereji ile ya dhambi. Immoralité. Ile ya kwa vitu ya buchafu. Pour devenir une personne sainte. Ili ukue mtu mtakatifu na mtawa. Mushifanye nguvu. Il ne faut pas forcer pour devenir un saint. Et usifanye nguvu kwa ajili ya kuwa mtakatifu. Nyonya tu, nyonya. Tete seulement. C'est lui qui dit ici. Et yenyo nasema hapa. Pour que tu sois pieux. Il ukwe mutawa. Nyonya. Et il faut seulement tete. Il n'y a pas votre sainteté. Hakuna utakaso yako wewe mwenyewe yako yake. Hakuna nguvu mal. Yakonyoneza kufanya uache mabaya. Deviendra encore pire. Zaidi uko na jikazo utakuwa tena mbaya zaidi. La Bible est frère Branham Zeman. Ndugu Branham anaomba. Tete. Wewe unyonye tu. Continue à têter. Oui, endelea tu kunyonya. Ça vous donnera la sainteté. Et itakupatia utakaso. Frère Branham dit, tu deviens une personne sainte. Wona kwa ule mtu mtakatifu. Et pieuse. Na motawa kabisa. Si vous êtes malade. Kama wewe ni mgonjwa. Passe l'étreinte sur vous. Et kupitia vidonda vyake umepona. Alléluia. Amina. Ça doit être l'enfant. Inapasha kuwa mtoto. Est-ce que vous êtes les enfants? Eti nini watoto? Il faut que tu sois un enfant. Inabidi ukue ndio mtoto. Non pas un adulte ne comprend pas. Hapana mtu mkubwa elewake. Tu connais beaucoup. Unajua bia mingi. Sois un enfant. Wojitie tu mtoto mwenye anapenda kufunda. Vous saisissez? Unaelewa? Vous tout là-bas. Et nini wote kule? Nous sommes les enfants de Dieu. Sisi ni watoto wa Mungu. Et que fait l'enfant? Et mtoto anafanya nini? Il est malade. Wakati ni mgonjwa. Agité. Anahangaika. Il est vraiment agité, malade. Yeye anahangaika kabisa na magonjwa. Tout ce que vous avez à faire. Ile yote mko nayo ya kufanya. La seule chose qui va le calmer. Kitu pekee enye inaweza kutuliza huyu mtoto. C'est la mère. Ni mama. Alléluia. Amina. Même vous consoler. Hata kukufariji. C'est la mère. Ni mpaka mama. Fellowship.
Fellowship. Vous avez besoin d'une mère. Muko na lazima. Vous traversez les moments difficiles. Muko na pitia wakati ya magumu kabisa. Je connais comment vous sentez. Mimi najua namna muko na sikia. Mais c'est lui qui peut vous consoler. Ule mwenye anaweza kumifariji. C'est la mère. Ni mama. El Shaddai. El Shaddai. Ne vous forcez pas. Musijikaze. Continuez seulement à têter. Nye mwendele tu kunyonya. Ne restez pas à la maison. Usibakie nyumbani. Ne changez pas d'église. Usibadilishe kanisa. Ça ne va pas vous consoler. Haita kufariji. La consolation. Faraja. C'est El Shaddai. C'est El Shaddai. Têter. We unyonye tu. C'est votre mère. Ni mama enu. C'est votre mère. Ni mama enu. Elle est ici. Ye iko apa. Avec les mamelles. Iko na majiba. Continuez seulement à têter. We endelea tu kunyonya. Alléluia. Amina. Baba nam di continue di. Ndobo na manendelesha nasema. Le portant sous son sein. Eye akiubeba majiba yake. Et la laiti. Na yeye akamnyonyesha. Maintenant que fait la mère. Sasa mama anafanya la nini? La même produit. Ile vitu moja moja. Le lait. Ma anatosha majiba. Et l'enfant. Maziwa na mtoto. Kai il est allaité. Wakati mtoto amenyonyeshwa. Il force. Yeye anajikaza. De la mère. Kutokea kwa mama. Pour lui. Kwa ajili ya. Kwa yeye kwa kunyonya. Alors l'enfant. Sasa huyu mtoto. Est fortifié. Yeye amepewa nguvu. Par la force. Kupitia nguvu. De la mère. Ya kutokea kwa mama. El Shaddai a la force. El Shaddai a iko na nguvu ndani yake. Maintenant pour te consoler. Sasa kwa ajili ya kufariji wewe. Quand tu têtes. Wakati unanyonya. La force quitte la mère. Inatoka kwa mama. Ça entre dans l'enfant. Inaingia ndani ya mtoto. Ça vous donne la force. Inakupatia nguvu. Tu vas prier plus que quand ton pasteur était vivant. Utakuwa ukiomba kupita tagisi wakati mchungaji wako alikuwa hapo. Tu seras béni plus que quand ton pasteur était vivant. Utabarikiwa kupita tagisi wakati mchungaji wako alikuwa hapo. Tu seras saint plus que quand le pasteur était vivant. Utakuwa mtakatifu kupita wakati mchungaji alikuwa hapo. Parce que El Shaddai. Kwa sababu El Shaddai. Te donne le saint. Yeye anakupatia maziba. Une mère. Mama. Dieu. Mungu. Mama. Mama. Un mot étrange. Musemo moja ya kigeni kabisa. Mungu mama. Dieu maman. Amen. Amina. Et frère Madame dit. Dans ton programme c'est. Pensez à un enfant. Et moi je connais un toto. Qui est appuyé sur la mère. Yeye mwenye analalia kwa mama yake. Sur le sein de sa mère. Yeye majiba mama yake. Il cesse de s'agiter. Yeye anaacha kuhangaika hangaika. Hallelujah. Amina. Quand on te voit agiter. Wakati wanakuona uko hangaika. Tu n'es pas dans le sein de El Shaddai. Nikusema auko mukilari El Shaddai. Quand tu seras dans le sein d'El Shaddai, wakati utakuwa katika kilele cha Shaddai, tu ne t'agiteras pas. Hautahangaika hangaika tena. Alléluia. Amina. Vous irez chez maman pasteur. Utaenda kwa mama pasteur. Vous la croyez qu'elle est seule. Et mutawaza kwamba yeye iko yeye mwenyewe. Allons la consoler. Wakamwete kwa kufariji. Elle est dans la poitrine. Utamkutanisha iko katika kilari. D'une mère. Ya mama. Tete. Iko na nyonya. Mama, una cheka jua inese. Mama, pourquoi vous voulez? Una nyonya. Je suis en train de têter. Mes frères. Wandugu zangu. C'est la consolation. Faraja. El Shaddai. El Shaddai. Vous cesserez de s'agiter. Et mutaacha kuhangaika hangaika. Et aussitôt. Na pale pale. Qu'il s'empare du sein de la mère. Wakati yeto anashika alijiba mama yake. Il cesse de s'agiter. Ule mtoto anaacha kuhangaika hangaika. Il ne s'agite plus. Ye hangaike tena. Alléluia. Amina. Je veux que je puisse sentir ça dans fellowship. Mina penda nisikie ile ku fellowship. Nous ne sommes pas agités. Sie mu fellowship atuangaike. L'église est stable. Kanisa inasimama imara. Sous contrôle. Iko chini uongozi. De El Shaddai. Ya El Shaddai ye mwenyewe. Hallelujah. Amina.
Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Frère Branham dit. Et nous m'asema. Oh! Ijapo. Attends. Il est satisfait. Yeye mtoto anatosheka. Il s'arrête de s'agiter. Yeye anaacha kuhangaika ngaika. Quand nous nous emparons de la promesse de Dieu. Wakati sisi tunashika malako ya Mungu. Quand il nous la révèle. Wakati yeye Mungu anatufunulia nayo. Je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Mimi ni wa milele mwenye naponesha magonjwa yako yote. Et celui qui veut vienne. Na yule mwenye anapenda akuje. J'ai gardé son espérance. Mimi nilichunga matumaini yake. Alors, et basi, je suis satisfait. Mimi nimetosheka. Comme je tire ma force. Jinsi mimi nakokota nguvu yangu. En t'étant. Et kwa kunyonya. Auprès de Jehovah. Et kwa Yehova. Le Dieu tout-puissant. Ye Mungu mwenye enzi. Celui qui donne la force. Ye mwenye anapatiaka nguvu. Alléluia. Amina. Est-ce que vous pouvez vous agiter encore? Et tunaweza kuhangaika tena? Avec El Shaddai? Wakati uko na El Shaddai? Non. Hapana. Si tu t'agites, weka munangaika. Donc tu n'as pas encore vu El Shaddai. Niko sema bado hujaona El Shaddai. Le jour que tu croiseras El Shaddai. Wakati ule utakutana na El Shaddai. Tu t'agiteras pas. Hangaiko yako haitakuwa tena. Fellowship. Fellowship. El Shaddai. El Shaddai. Est ici. Iko hapa. Continuez seulement à téter. Wendelesha tu kunyonya. Dieu maman. Mungu mama. Va vous donner la force. Yeye atamipatia nguvu. Amen. Amina. Ayez la révélation. Mukuwe na ufunuo. Si tu n'as pas Dieu en vous. We kama una na Mungu ndani yako. Tu n'adores pas. We auabudu. J'adore le Dieu qui est à moi. Mimi kuna budu ule Mungu mwenye iko ndani yangu. Cherchez Dieu en vous. Wewe tafuta Mungu wa kwenda ndani yako. C'est notre consolateur. Yeye ndio mfariji wako. Même Jésus a dit. Hata Yesu alisema. Il vous est nécessaire. Iko faida kwenu. Que je m'en aille. Mimi niende. Donc, ni kusema même Jésus physique là. Hata Yesu ule wa kimwili yule aminofu. Il est moins important. Ye aiko tena wa faida. Il est moins important. Ana tena ana wa faida tu sana. Que Dieu en vous. E kupita Mungu ndani yenu. Parce que lui-même a dit. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema. Il vous est avantage. Iko faida kwenu. C'est votre avantage. Ni kusema ya faida. Et moi ici. Et kupiko faida kupita mimi. Mimi niende. Pour que l'esprit consolateur. Il est Rome fariji. Vienne. Et pas de kuya. Et quand ça vient. Wakati nakuya. Il vous enseignera tout. Atatufundisha kila kitu. Ma consolation, faraja yangu, c'est l'esprit à moi, ni ronda, ni yangu, l'espérance de la gloire. Tumaini ya utukufu. Ne venez pas vous mettre sur le banc. Eh, usiangalie hata. Non. Apana. Amenez ce Dieu à vous. Weleta ule Mungu akue ndani yako. Approprier ce Dieu là. Ule Mungu akue wako wewe mwenyewe. Quand Dieu devient ton wakati Dieu. Wakati Mungu anakuwa Mungu wako. Tu es un homme consolé. Ni kusema uko mtu mwenye anapokea faraja. Oh, j'ai toujours dit à Dieu. Hey, je suis fatigué. Avec le Dieu d'histoire. J'ai besoin d'un Dieu présent. Dieu à moi. L'espérance de la gloire. Il est matumaini ya utukufu. Je ne peux pas continuer à dire aux gens. Mimi tiendele kuelezea watu. Bwana ma resuscité. Ndugu bwana malifu. Ndugu bwana malifu. Je veux que ce Dieu de William Branham. Ndugu yule Mungu William Branham. Sois mon Dieu. Akuwe yangu mimi kwa wakati yangu. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Et tu m'as dit que c'est ma amie. Si il est de Branham. Et comme il est de Branham. Où est sa puissance aujourd'hui? Où est sa manifestation? Où est sa manifestation? Je veux quand je parle de Branham. Je vois son Dieu à moi. L'espérance de la gloire. Il est ma autukufu. J'aime ce Dieu présent. Il est ma sasa. Il faut sortir les gens de l'histoire. Alléluia. Amina. Dieu dans les pouces. Dieu mama. Mungu mama. Dieu réel. Mungu wa kweli kweli. Alléluia. Amina.
Nous devons manifester au peuple. Tu n'as pas de connaissance quoi taïfa. Alléluia. Amina. Quand il était le père, le quoi, baba, il va donner le témoignage. Quand j'étais le père, le quoi, baba, j'ai créé les ciels. J'ai fait ceci. J'ai marché avec Moïse. Quand j'étais le fils, je marchais sur les eaux. J'ai ouvert les yeux. J'ai fait ceci et cela. Maintenant, quand tu étais le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia! Amina. Moi aussi, je sortirai. Comme Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié pour un malade. Il était cancéreux. Au nom de Jésus, il était guéri. Frère, et tant que tu es le père, baba, je peux observer. Et mina poeta kwa ngaria. Tant que tu es le fils, et sans mungu mwana, je peux observer. Mineza kwa ngaria. Mais quand le temps du Saint-Esprit vient, wakati je ne veux pas observer. Mimi siwezi kubakia kimya. Je veux parler aussi. Minaweza kusema mimi pia. Je veux donner aussi mon témoignage. Ushuhuda yangu. Pale témoignage des autres. Mon témoignage à moi. Ushuhuda yangu mimi mwenyewe. J'étais malade. 10 ans. Mais j'ai marché sur mes deux pieds. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Je n'avais pas la nourriture. J'ai dit Dieu est délit. Tu as multiplié la nourriture. Quand tu étais père, maintenant tu es cet esprit. J'ai besoin de la nourriture. Et Dieu m'a donné cela. Oh, est-ce que l'épouse est avec moi? Je ne veux pas au ciel que Branham seul donne les témoignages. Non. Il termine à donner les témoignages. Moi aussi je m'élève. J'ai un témoignage. Alléluia. Amina. Les anges se tiennent debout là-bas. C'est moi aussi un témoignage. Alléluia. Amina. Le même Dieu qui a agi à William Branham, il a agi à moi. Je n'ai jamais vu William Branham. Je ne l'ai jamais salué. Il est mort avant que je naisse. Mais quand je suis né, j'ai croisé le message. Ce message n'est pas resté dans la tête. Ce message n'est pas resté en Amérique. Le message est devenu une réalité. Ma fille, une épouse. Alléluia. Quand je marche, c'était le message qui marche. Quand je chante, c'était le message qui chantait. Et quand les malades venaient, je parlais seulement. Même si je ne pose pas les mains, je parle. Et la maladie parle. Oh, l'épouse, est-ce que vous êtes là? Ne restez pas sous mon témoignage. Ayez votre propre témoignage. Ne restez pas dans l'histoire. Ayez votre propre histoire. Tu dois écrire ton propre histoire. Est-ce que vous pouvez dire amen? Je vous dis frère, quand le tonnerre était révélé, ton histoire était dans les livres. Je veux que cette histoire soit manifestée aujourd'hui. Alléluia. Quand nous parlons des noms, c'est l'histoire de quelqu'un. Si ton nom était dans les livres, c'est ton histoire. Je veux que cette histoire ne reste pas dans les livres, soit manifestée. Alléluia. Alléluia. Le Dieu puissant. Ule mungu wezo. Le Dieu réel. Ule mungu kweli kweli. Et le pasteur est parti. Jésus couria. Moi, je ne peux pas pleurer. Je ne pleure même pas Jésus. Mimi sili ata Yesu. Je ne pleure pas Branham. Mimi sili kwenda Branham. Ils partent. Ye anaenda. Le même Dieu. Wanaenda ule mungu moja moja. Ile uwezo moya moya. Entre à moi. Inaingia ndani yangu. Elia a dit à Elisha. Elia a dit à Elisha. Je pars. Mina enda. Je n'ai pas besoin. Je ne m'inquiète pas de ton pari. Et mi si lima. Ouais, ouais, ouais. Une des pas moi, j'en ai mis.
Qu'est-ce que tu as besoin? Je n'ai pas besoin de vous. Mouye. Je n'ai pas besoin que tu restes ici. J'ai besoin les doubles portions. Là. Oh, les enfants de Kabea sont ici. Je n'ai pas besoin de Kabea. Mais l'esprit qui était à lui là. L'esprit qui nous prêchait là. Il est roi quoi qui tu vire ou mou. Sous contrôle. Il continue. Je le réclame au nom de Jésus. Si vous êtes prêts, recevez-le. Vous portez à yo. Les hommes meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Il est parti. Nous réclamons son esprit. Reste ici. Prêche-nous. Parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, ma soeur, ton mari est parti. Réclame cet esprit. Reste dans ma maison. Eli part. Eli en aenda. Ta double portion. Il est seul, mon reste ici. Il n'a pas qu'à ouvrir. Papa parti. Papa reste ici. Il n'a pas qu'à ouvrir. Eli lui dit. Eli a molesté. Tu as demandé la chose de plus difficile. Observe-moi. 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 Et que vous êtes dans la salle. Observe-moi. Si tu observes. Cet esprit-là. Il est roi. Il est. Comme tu l'as demandé. Oh, est-ce que dans la salle il y a des croyants? Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Observez. Observez Kabea. À travers le message de l'heure. Observez Kabea. À travers le message de l'heure. Ce qui vous prêchez là. Observez là. Au nom de Jésus. La même puissance. Alléluia. Amina. J'ai besoin des observateurs. Est-ce que vous êtes des croyants? Observez les messages. Observez les messages. La même puissance qui était à William Branham. Oh, la même colonne de feu. Qui était avec William Branham. Au nom de Jésus. Il est ici. Il est en train de tourner ici. Si tu es prêt, il est à côté de toi. Il peut te guérir ce matin. Il peut te changer ce matin. Le Dieu de William Branham n'est pas mort. Le Dieu de William Branham est ici. Le Dieu de Kabea n'est pas mort. Le Dieu de Kabea est ici. Croyez au nom de Jésus. Recevez la puissance. Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Parle! Oh, parle! Que l'esprit vienne. Alléluia! Amina! Pourquoi t'agiter? El Shaddai est ici. El Shaddai pourquoi tu t'agites? Entre dans la poitrine d'El Shaddai. Prenez les mamelles d'El Shaddai. Le même esprit qui a construit ce bâtiment n'est pas mort. Il est ici. Il va continuer cette église. Il va protéger cette église. Alléluia. Alléluia. Dieu maman, Mungu mama, le même hier, yule yana, aujourd'hui, Léo, éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes les enfants de Jésus? Est-ce que vous êtes l'épouse? Alléluia. Amina. Il ne faut pas dire que nous sommes l'épouse. Apana kusema tu ko bibi harusi. Sema. Je suis l'épouse. Mimi mwenyewe niko bibi harusi.
Même si on dit, on fait le chip, il y a une épouse. C'est moi. Est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Si vous êtes l'épouse, mais à double portion, d'Élie tombe sur vous. Je me sens bien. Je me sens bien, frère. Il n'y a pas un endroit sous la terre qui est comparable à cette parole. Je vous choque. Tu veux que je vous choque? Cette parole, c'est plus que le ciel. Si Dieu me demande entre la parole et le ciel, qu'est-ce que tu choisissais? Je choisis la parole. J'aime la parole que le ciel de Jésus, que le ciel des anges. Et quoi, madame dit, il est écrit, le ciel et la terre passeront. Mais la parole ne passera jamais. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? J'aime la parole. Alléluia. Amina. J'ai toujours dit à Dieu, s'il s'agit de prendre ma femme, prenez. Mes enfants, prenez. La terre, prenez. La voiture, prenez. L'argent, prenez. Tout, prenez. Même ma santé, prenez. Mais ne me laissez pas loin de ta parole. Je réclame la parole. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Devant vos yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous J'entre dans le message du jour. Je vais parler sur l'autorité suprême. L'autorité, il est mamlaka suprême. Il y a Dieu zaidi. Quand on parle de suprématie, wakati wanasema ile ya Dieu zaidi, il n'y a pas une autre autorité. Ni kusema juu yayo hakuna mamlaka ingine. Quand vous allez au cours suprême, wakati unaenda muele mahakama ya juu zaidi, si vous échouez, kama ukule wanakuina, même le président, hata rais hakuna kitu anaweza kufanya tena. C'est la dernière décision. Kule ni maamuzi ya mwisho. C'est suprême. Ni ya juu zaidi. Si vous allez dans d'autres instances, kama unaenda mu mahakama nyingine, on peut vous pousser. Banasema muende mukasambie tena kule. Eh, hapana kusema mzuri. Eh, hapa sikutosheka. Si vous arrivez au suprême, lakini wakati nafika mu cour suprême, ni kusema ni mwisho. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus. Hakuna ule mwenye iko juu yao. Dieu, Mungu, quand il a créé l'homme, wakati aliumba mtu, il a dit, akasema, créons l'homme, tuumbe mtu, à notre image, kwa picha yetu, à notre ressemblance, kwa ufananisho yetu. Et regardez, il dit, nangalia nasema, créons au pluriel, tuumbe kwa wingi. Et il ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre. Aiko kusema ya kwamba alikuwa akiongea na mtu mwingine. Il n'y avait pas un autre Dieu à côté là. Akukua Mungu mwingine karibu yake. Il disait écoutez. Alikuwa akisema msikilize. Et tuumbe mtu kwa picha yetu. Ndio nasema. Il s'adressait à ses attributs. Ye akikuwa akielezea ize mafazili yake. Eh? Na même vous. Atawe, vous étiez l'attribut de ulikuwa Dieu. Ile fazili ya Mungu. Le Père, Baba, était l'attribut. Ilikuwa fazili. Le Fils, Mwana, était l'attribut. Ilikuwa fazili. Sauveur, Mokozi, était l'attribut. Ilikuwa fazili. Rédempteur, na mkombozi, ilikuwa fazili. Alléluia. Amina. Ce sont les œuvres de Dieu. Ile ni makazi ya Mungu. Maintenant il dit, sasa nasema,
Cet homme que nous allons créer, il aura notre image. C'est-à-dire cet homme qui sera père, atakuwa baba, fils, atakuwa mwana, sauveur, atakuwa mokozi. Tout ce qui est attribué de Dieu sera dans cet homme. C'est pourquoi Jomana, Adam, Adamu, il était le sauveur. Alikuwa mokozi. Est-ce que vous le croyez? It's my meaning. Adam, Adamo, il n'est pas tombé. Et hier kuanguka. Baba nam dit Adam n'a pas péché. Dubra masema Adamo kutenda zambi. Adam la manière que Dieu l'a créé. Adamu namrenye Mungu alimuumba. Même Dieu ne pouvait pas le séduire. Ata Mungu angeweza kumutongoza. Il était Dieu. Ye alikuwa Mungu. Il ne pouvait pas tomber. Ye angeweza kuanguka. Le diable le craignait. Shetani alikuwa kimuogopa. Il savait que cet homme. Alijua huyu mtu huyu Adamu. Il n'y a pas la puissance pour le faire tomber. Kwa ajili ya kumwangusha Adamu. Il était Dieu. Ye alikuwa Mungu. Alléluia. Amina. C'est ainsi que Dieu a dit où je vis les mumbu. Je ne serai pas sauvé. Et où you? Ainsi c'est dans votre mokoa. S'il reste comme ça. Et quand il a moitié vivre. Mon attribut du sauveur. Il est quasi en mokosi. Ça n'existera pas. Aïta kuonekana. C'est ainsi qu'il a fait sortir. Jomana akatosha. Une partie faible. Il est sehemu ya uzaifu. Il ne craint. Akayumba. Il a pris. Akatia ndani. Il a mis dedans. Akatia ndani. Et il a pris l'amour. Na akabeba mapendo. Dada. Ya Adamu. Akatia kwa mwanamke. Na malgré ça. Aizuri le yote. Satan craignait toujours. Shetani alikuwa tu akiogopa. Adam. Adamu. Je veux que jusqu'aujourd'hui. Nitapenda paka que le diable vous craigne. Shetani amiogope. Maintenant, sasa, quand la femme est tombée, wakati mwanamke alianguka, l'attribut du sauveur était à Adam. Il est kazi ya ukombozi ilikuwa ndani ya Adamu. Baba namdi, double masema, Adam a péché sciemment. Adamu alitenda zambi akijua. Quand il a trouvé Eve, wakati alipata Hawa, dans le péché, ndani ya zambi, il a compris que ye akaelewa ya kwamba si Dieu vient, kama Mungu anakuja, il va tuer Eve, aliu ataua Hawa. Je vais rester seul. Mimi tabakia mwenyewe. La seule manière, namna pekee, de sauver Eve. C'est de tomber avec elle. Pamoja na Hawa. Et Fara Namdi. Nadouble masema. Adam. Adamu. Il a péché. Il a mal tenda zambi akijua kila nafanya. Pour sauver elle. Kwa ajili ya kumuokoa Hawa. Il était un sauveur. Ye alikuwa mokozi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il dit à Eve. Akaelezea Hawa. Je sais que. Mimi najua kwamba. Si moi je tombe. Mimi mina. Je ne me tuera pas. Mungu hawezi kuniua. Parce qu'il s'est metu. Et comme on a ni où, il va rester. Ye atabakia complet. Aene tena. Il avait cette révélation. Et alikuwa ni leo kufu. Si Dieu me tue moi. Na kwamba kama Mungu ananiua. Il restera un ye atabakia aene tena. Mais pour te sauver toi. Atini ile kuokoa wewe. Donne-moi. Unipatie na mie. Il devient péché. Ye pia anakwaya. Pour aller sauver elle. Kwa ajili ya kwenda kuokoa Hawa. Il prend la vie. Ye anabeba uzima. Une partie de lui. Ile sehemu yake. Il met anatia ndani yake. Quand Dieu vient. Wakati Mungu anakuja. Il veut tuer Eve. Anapenda kuua Hawa. Il trouve Adam. Anakutanisha. Déjà en Eve. Adamu ndani ya Hawa. Adam. Adam. Je na koma. Wewe uliko mule ndani je. La semence qui la protège. Ni ile mbeko ndio inamukinga. Même dans le péché. Et comme même dans le péché. Hata ndani ya zambi. Il était toujours le type de Dieu. Alikuwa tu kombozi. Il était le type de Jésus. Ye alikuwa tu mfano wa Yesu. Jésus. Yesu. Ne pouvait pas tomber. Angeweza kuanguka. Il ne pouvait pas devenir péché. Angeweza kuwa zambi. Mais à cause de l'épouse. Lakini kwa sababu ya harusi. À cause de l'épouse. Kwa sababu ya harusi. Il est devenu péché. Ye akakuwa zambi. Pour vous protéger. Kwa ajili kukinga wewe. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a pris une partie de lui. Il a pris sa semence. Il a mis dans les pouces. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est la partie de Jésus. On a mis en vous. Il ne vous condamnera jamais. Quand Dieu vient pour vous frapper, il trouve Jésus en vous. Il trouve le Saint-Esprit en vous. Il prend les malheurs. Il veut frapper. Il trouve Jésus.
Alléluia. C'est ainsi, frère. Adam. Wakati Adamu. Était un sauveur. Aliko mokozi. Il a sauvé Eve. Ye alioko wa awa. Parce qu'il était un sauveur. Kwa sabu ya aliko mokozi. Et frère Madame dit. Masema. Adam. Adamu. Il était le dieu de la terre. Aliko mungu wa dunia. Il était le dieu de la terre. Ye alikuwa mungu wa dunia. Dieu, il est Dieu partout. Mungu ye ni mungu pote. Mais Adam. Alakini Adamu. Il est le dieu de la terre. Ye ni mungu wa udongo. Prenons la brèche. Tuchukwe kwanza maubiri la brèche. Nous allons lire par paragraphe 100. Et tutasoma ukarasa yake ya 100. Léon Sikwe Inga, c'est notre adoration. Léon Sikwe Tokwa Bodo. Il dit, anasema, quand il a perdu la communion, wakati lipoteze le shirika, il avait, enye alikuwa nayo, et son droit à la vie, et ya uzima, souvenez-vous, et mukumbuke, le jour tu as mangé, il est Sikwe ile nyota kula, ce jour-là tu mourras, il est Sikwe ile nyota kufa. Quand il a perdu sa vie, et wakati lipoteze uzima yake, il a aussi perdu son héritage, alipoteza pia ile urithi yake katika uzima, parce qu'il avait. Kwa sababu alikuwa na autorité, ile mamlaka complète ya kuenea na ya juu zaidi duniani. Il était Dieu de la terre. Ye alikuwa mungu wa dunia. Dieu est le Dieu de l'univers. Mungu ye ni mungu wa dunia pote. Mais son fils, alakini mwana wake, avait cette terre, ye alikuwa na hii udongo, sous sa propre autorité. Ilikuwa chini ya mamlaka yake. Il pouvait prononcer, angeweza kusema. Il pouvait donner des noms, angeweza kupatia hata majina. Il pouvait déclarer, angeweza hata kusema. Il pouvait arrêter la nature, angeweza hata kusimamisha mazingira. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, angeweza kufanya byote yenye alipenda. Ça, hein? Ainsi Adam pouvait dire, ukarasa kama ina moja, que la montagne qui est ici, Adam angeweza kusema mulimu wenye kwa hapa, transporte là-bas, ipate kutoka hapa iende kule. Ilikuwa imefanyika. Adam pouvait dire, Adam angeweza kusema, que l'arbre qui est ici, et mimuti kwa hapa, c'est des racines, et itoke hapa, soit planté là-bas, iende kujishimika kule. Ilikuwa imefanyika. En effet, et kwa kweli, il détenait, ye alikuwa na l'autorité, ile mamlaka complète, ya kuenea, et suprême, na ya juu zaidi, en tant que Dieu mineur, sawa Mungu ye mwenyewe, au-dessus de Dieu notre Père, juu ya Mungu baba yetu, kwa sababu il était fils, ye alikuwa mwana de Dieu, wa Mungu. Adamu, il était Dieu de la terre, ye alikuwa Mungu wa dunia. Quand il marchait, tous les animaux, wanyama zote, le respectaient. Walikuwa kimheshimu Adamu. Il pouvait marcher sur les eaux. Angeweza kutembea juu ya maji. Il peut entrer dans l'eau. Anaweza kuingia ndani ya maji. Il parle avec les poissons. Anasema na masamaki. Il va dans l'air. Anaenda kule mwanga. Il parle avec les oiseaux. Anasema na mandege. Il entre dans les forêts. Anaingia ndani ya. Il parle avec des lions. Eh, na mushimu anaongea na masimba, ma tigre. Il pouvait aller partout. Angeweza kwenda pote. Et quand il parle, wakati anasema, il n'y avait pas, hakukua ni ange, hata malaika, ni Dieu, wala Mungu. Je dis encore, mimi nasema ni Dieu, hata Mungu. Son autorité sur la terre, ile mamlaka yake duniani, était suprême, ilikuwa ya juu zaidi. Quand on allait à Dieu, wakati unaenda kwa Mungu, tu m'as placé ici. Eh, ulinitia hapa. Adam m'a déplacé. Adam amenitosha hapa. Ananitia pale. Il a l'autorité suprême. Ye, Adam alikuwa na mamlaka ya juu zaidi. Hallelujah. Amina. Et le message de l'heure, c'est là où mes frères vous êtes en train de faire des erreurs. Je parle kwenye wandugu muko nafanya makosa. Nous ne sommes pas venus. Sisi atukukuya. Kwa ajili kusema katika lugha. Ile ni bobo mtoto ile. Nous sommes venus. Si tulikuya hapa. Pour que nous soyons. Ili tupate kuwa. Adam. Adamu. Restauré. Eh, mwenye amerudishwa. Je veux bina penda cet Adam là, ule Adam ule obele,
Frère, Dougou, ne vous contentez pas parce que vous avez une voiture. Aussi, tu m'as dit que tu as un gari. Je suis béni. Ça, c'est une bénédiction. Il est une baraka gani. Si vous dites que la voiture, c'est une bénédiction. Et quand on a ce magari, il est une baraka. Comment les Obama vont dire? Et ça, Obama, il a ce manini. De Bill Gates, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bill Gates, ou à ta semanini. Sont des païens. On y va pas gagner. Les enfants de perdus. Et nous, ou à tout le monde, ou à chapoter. Ils ont l'argent plus que vous. Ou à quoi on a ma coute comme ibita. Frère. Ndougo. Tout ce que nous avons ici. Ibiote tout qu'on a eu à ta piche. Et c'est une magnonnaise. Aïko quitte, ouéniewe. Je veux le retour du livre. Mina pendele kitabu irudie. Quand moi je suis ici. Wakati mimi ko hapa. Je dis à Dieu. Mina lesi ya Mungu. Je suis ici pour mon livre. Mimi ko hapa kwa ajili ya kitabu yangu. Kada péché. Wakati Adamu alitenda dhambi. Dieu descend. Mungu anashuka. Il prend le livre. Anabeba kitabu. Il prend l'autorité. Anabeba ile mamlaka. Il va avec cette autorité au ciel. Anaenda na ile mamlaka ile mbinguni. Adam reste. Adam anabakia. Sans autorité. Pasipo mamlaka. Frère. Ndugu. Nous n'avons pas perdu l'argent. Sisi atukupoteza kamakuta. On n'a pas perdu l'or. Sisi atukupoteza zahabu. On n'a pas perdu la beauté. Sisi atukupoteza urembo. On n'a pas perdu les églises. Si vous avez dans ma canisse, nous avons perdu si les livres. Et quand moi j'adore, j'adore pour les retours de mon livre. C'est mon héritage. C'est ma force. C'est mon autorité. Mes frères, Wandugu, nous sommes ici. Tuko hapa, pas pour le mariage. Quand tu étais célibataire, et tu on te voyait toujours. Tu le quoi tu qui connais qui la mère maman Gotti a. God. Hey Mungu. God. Hey Mungu. Tu t'es marié. Unaolewa. On t'a jamais vu. Awa kuona kete na apa kuya papa. Ni kusema wewe. Le problème c'est le mariage. Mambo yako ni ndoa. Le mariage c'est rien. Ndoa sio kitu. Ça va passer. Aita pita. Tu n'as pas perdu le mariage. Akupoteza ndoa. Tu n'as pas perdu le mariage. Akupoteza ndoa. Il a pris un vie sans yeah, partie. C'est qu'il a perdu. Il est n'y a l'hypothèse. C'est les livres. Ni kitabu. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Et mon terre, Léo. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Et mon terre, Léo. Ne sors pas ici sans les livres. Aussi toqué à pas aussi pas de kitabu. Dieu. Laisser à je ne sors pas. Mimi si on va trouver mes os. Mimi je dois partir avec mon livre. Je regrette. Je regrette. Vous êtes occupé des choses inutiles. Et les frères là-bas. Et les frères là-bas. Ce n'est pas ça. Aiko ile. Le diable vous distrait. Nous sommes ici. C'est tout quoi pas. Pour les livres. Kwa ajili ya kitabu. Dis à Dieu. Weleze ya Mungu. J'ai besoin de livres. Niko na lazima ya kitabu. Paul l'attendait. Et Paul, Paul ne pouvait pas prier les livres. Paul, même s'il priait, il ne pouvait pas recevoir ça. Irénée. Irénée na Martin. Luther. Wesley. Il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, c'est l'opportunité. Aujourd'hui, c'est votre opportunité. Dites à Dieu. Je suis dans l'âge du livre. Je suis dans l'âge du livre. Je le réclame au nom de Jésus. Je vais voir Adam sur la terre. Marchant. Hallelujah. Amina. On a demandé. Et tu liomba. Wakati gani le siku ile tafika? Je dis à Daniel. Mungu aliezea Daniel. Dor Daniel. Wewe Daniel uchilalie. Ça ce n'est pas pour votre niveau. Sio ya wakati yako. Ça ce n'est pas pour votre rampe. Sio kwa ajili ya cheo yako. Va et dormi. Wewe wende ukajilalie. C'est chaud. Ibitui. C'est pour les pauvres. Ni kwa ajili ya bibi harusi. Tant de soir. Wakati wa jioni. Histoire de la fin. Wakati wa mwisho.
Vous êtes plus que Daniel. Nini muna pita Danieli. Est-ce que vous les croyez? Et tu m'amini. Vous êtes plus que Daniel. Nini muna pita Danieli. C'est pourquoi moi frère. Yo, mana, mimi, je n'en suis pas les anciens. Mimi si ta mania que wale wazee wa zamani. Ils étaient des petits. Wao walikuwa wadogo kwangu. Mais aujourd'hui. Lakini leo. C'est pour les géants. Ni kwa ajili ya wapokee. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu wali pour que Dieu te choisisse. Nini Mungu akuchagule wewe. Mais si tu es boiteux. Hata kama wewe ni kilema. Si tu crois ce message. Wewe kama unaamini ujumbe. Tu es plus que Daniel. Wewe na pita Danieli. Mais si tu n'as pas les yeux. Hata kama una et tu vois ces messages, tu es plus que Paul. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? L'autorité est rentrée au ciel. Quand c'est rentré au ciel, Dieu a pris cette autorité. Il a mis sur le trône. Ça ne convenait pas. On prend les livres. Et wana beba kitabu. On donne les anges. Wana patia malaika. Asa, si apana. Dieu le tient. Et Mungu anajibambia yo. Que les livres ne le contiennent. Ye anaona kwamba eneane na ile kitabu. Parce que les livres étaient mis sous mes yeux. Et kwa sababu ile kitabu liko waliichongola kueneana na. Sous mes yeux d'Adam. Et kufuatana bunene Adamu. Ce n'était pas sous le mes yeux de Jésus. Haikuwa kueneana na Yesu apana. Ce n'est pas les livres de Jésus. Haiko kitabu ya Yesu apana. Ce n'est pas les livres de Dieu. Haiko kitabu ya Mungu. Même Dieu. Hata Mungu. Ce n'était pas sous ses yeux. Ilikuwa haimuene Mungu. Même Jésus. Hata Yesu. Ce n'était pas sous ses yeux. Haikuwa imuene Yesu. Et il dit, maintenant ça ne convient pas au ciel. Qu'est-ce que nous allons faire? Et si elle a refusé les livres, les anges lui disent, ramène ça chez Adam. Ramène ça à Adam. Ça ne convient pas ici. Ça nous embrouille. Dieu descendait. Adam, comment je vais te donner? Qui est dit? Qui est dit? Qui est dit? Dépendez les livres. Interrompez les sons. Qui est dit? Qui ramène les livres à Adam? On a regardé au ciel. Personne. Akuna. Même Jéhovah, ata Jéhovah n'était pas digne. Il était au ciel. Il n'était pas digne. Vous savez pourquoi? Jéhovah il n'était pas digne de ramener ce livre parce qu'il était esprit. Et pour les ramener, il fallait le sang. Jéhovah n'a pas le sang. Les anges n'ont pas de sang. C'est pourquoi le ciel, personne. On regarde sur la terre. On commence par Adam. Abraham. On trouve que Abraham lui-même, il a menti. On regarde Moïse. Il s'est fâché et juré les enfants. On regarde Abraham. Il a menti. On regarde Abel. Il était mort. On regarde David. Il a pris l'enfant d'autrui. Il a pris la femme d'autrui. On regarde à gauche à droite. Il n'y a pas le sang. Tous les sangs étaient souillés. On regarde sous les lèvres. On trouve les diables. Il était le père du mensonge. Il n'y a personne. Qui est digne? Qui est digne? L'épouse a pleuré. L'épouse a pleuré. Qui était l'épouse? Jean. Il représentait l'épouse. Quand il a regardé, il a pleuré. Madame dit, il avait le Saint-Esprit. Donc même le Saint-Esprit n'était pas digne. Il dit le Saint-Esprit, c'était un gage. Il a pleuré avec le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, quand il a pleuré, une voix est venue. Ne pleure pas. Jean, l'épouse, ne pleure pas. Tu étais là en train de pleurer. Par Jean, Jean te représentait. Mais il y avait un ange qui lui a dit, ne pleure pas. Car le lion ou le Simba
pas l'agneau, à pas le moins la condo, le lion, à la quine, moi aussi, du tribu de Juda. Il a prévu, yeah, Alita. Alléluia, Amina. Il a regardé au ciel pour voir qui est le lion. Simba, il n'avait pas le lion. À quoi Simba? Alléluia, Amina. Et il voit un agneau qui venait de l'éternité. Qui n'était pas au ciel, qui n'était pas sous la terre, il venait de l'éternité. Qu'est-ce que c'était? Le même Dieu, le même Jéhovah. Il commence à changer, il commence à changer. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia. Il commence à changer. Il change. De la colonne de feu. Dans un homme. Alléluia. Amina. Je vous dis, frère. C'est Jésus. Oui, yes, n'est pas la terre. Oui, aussi, udongo. Jésus, si. Oui, yes, n'est pas la terre. Aiko udongo. C'est la colonne de feu qui s'est fait chier. C'est pourquoi, Jomana, sous la montagne de transfiguration, on a vu le corps de Jésus. Yesu, ça commence à changer. Il devient la colonne de feu. Oh, peuple de Dieu, Mungu, nous voulons voir le Dieu physique. C'est la mili. Même colonne de mili feu qui change du corps, qui change encore, tena, qui devient corps. Alléluia. Amina. Et frère madame dit, comme il s'est manifesté sur la montagne de transfiguration, c'est ainsi sera la seconde vue de la colonne de feu, chair de la chair, colonne de feu. Oh, quelqu'un peut dire amen. Vous pouvez dire Alléluia. Amina. Hey, hey. Pierre a regardé. Le Dieu. Le même corps ici. Il y a la colonne de feu. Que Moïse a vu. Que Moïse a vu. Je ne savais pas. Il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Élie. Laisse-toi ici. Il est tout bas, tu vois pas. Hey, apana. Il change encore. Il a rudi à Téna. Il dit, Ne dit à personne. C'est un secret. Entre nous et vous. La même colonne de feu. C'est ça mon corps. Alléluia. Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vient comme un bébé. Anakuya sawa mwana muchanga. Il commence à marcher comme un bébé. Ananda kutembe asa mtoto mchanga. Le Dieu colonne de feu. Ule Mungu ngusu ya moto. Est devenu un corps. Akakuwa mwili. Bébé. Mwana mchanga. On trouve wana kutanisha la colonne de feu. Ngusu ya moto. Qui est devenu le corps. Enye inakuwa mwili. Tete. Mwenye iko na nyonya. Mwana mchanga. Wakinyonya mtoto anaanza kunyonya. Un voisin vient. Eh, chiranya na kuya. Il trouve Jésus. Anakutanisha Yesu. Dans le bras de Marie. Mikono ya Maria. Iko na nyonya, iko na nyonya. Marie. Maria. A ton bébé. Eh, huyu mtoto wako huyu. Il est le Dieu. Yeye ni Mungu. Qui a créé les cieux. Mwenye aliumba mbingu na inchi. Maria na we. Maria. Uko na kufuru. Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. Tete. Anyonye. Le mystère de grand. Siri ya wakua. Le mystère de la piété. Siri ya utawa. Ekra. Iko kubwa. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Hey, nous entrons dans ce mystère. Quand les autres disent ils sont bébés, nous nous regardons. Nous voyons Dieu puissant parmi nous. Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Amina.
Oh frère, ces choses, tu ne les trouveras pas chez les pentecôtistes. Tu ne les trouveras pas chez les pentecôtistes. Ça, c'est pour la nourriture d'aigle. Là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Est-ce que tu es l'aigle? Le corps n'est pas chez les pentecôtistes. Le corps n'est pas chez les pentecôtistes, chez les malemba. Le corps, là où il y a le corps, il y a les aigles. Est-ce que tu es l'aigle? Je veux que tu voles ce matin. Est-ce que tu es l'aigle? Je veux que tu sois aigle. Aujourd'hui, Léo, si tu n'es pas l'aigle, vois c'est je vais te faire un aigle. Je suis créateur. Je suis créateur. Est-ce que tu crois que tu es créateur? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Prêchée aujourd'hui. Léo. Si tu n'as pas la foi, au nom de Jésus, crois seulement. Je crée la foi en toi. Alléluia. Amina. La foi n'est pas au ciel. La foi est ici. Si tu le veux, je vais le créer. Alléluia. Amina. Et quand cet enfant a grandi, il était venu pour Adam. Il est venu pour Adam. Adam. Où es-tu? Où quoi? Adam. Où es-tu? Où quoi? Il est en train de chercher partout. Et Alikoua Gipita Koutafta Pote. Adam. Où es-tu? Où quoi? Il n'est pas venu pour faire le miracle. Les miracles, c'était tellement le secours. C'est pourquoi il a dit à Maria, pourquoi tu me troubles? Pourquoi tu n'es pas encore venu? Pourquoi tu me troubles? Non, fais seulement les okay. Bon, à cause de toi. Et quoi dire, tu mina fanya divai. Mais ce n'était pas le cas. Il était venu pour Adam. Il mangeait. Adam. Adam. Où es-tu? Adam. Aujourd'hui. Léo. Que chacun se mette à ses places. L'Adam qu'on cherchait là. Et où l'Adam c'est toi. Ni mie. Jésus est venu mourir pour moi. Yesu alikuja kunikufia njo mie. Il a laissé le ciel. Aliacha mbinguni. Pour moi. Kwa ajili yangu mie huyu. Amen. Je viens adorer ici. Mimi nakuja kuabudu. Pour moi. Kwa ajili yangu. Adam. Adamu. Où es-tu? Uko wapi? Adam. Adamu. Dieu lui dit. Mungu anamuelezea. Tu n'auras pas Adam. Hautapata Adamu. Pour que tu puisses avoir Adam. Il upate Adamu. Tu dois aller là où il est. Unapacha kwenda kwenye Adamu iko. Il est dans la Bible. Ye iko kule mugena. Faba namdi. Ndobra masema. Adam. Adamu. Il était enterré sur Golgotha. Ye alikuwa alizikwa pale Golgotha. Dieu lui dit. Mungu anamuelezea. Il est enterré sur Golgotha. Wewe wende kule Golgotha. Dieu commence à les chercher. Mungu anaenda kumtafuta. Adam. Adamu. Il dit tu ne peux pas aller à le Golgotha. Hawezi kwenda ku Golgotha. Tu dois d'abord devenir péché. Unapaja wewe kwanza kuwa dhambi. Ah! Eh! Il dit non. Hapana. Pour Adam. Kwa ajili ya Adamu. Donne-moi. Munipatie. On prend la coupe. Wanabebele kikombe. Ah. Anakunywa. Il devient péché. Anakuwa yeye mwenyewe dhambi. C'est pourquoi, frère. Joma na ndugu. On ne pouvait pas condamner Barnabas. Awangeweza kukumba Barnaba. Barnabas n'était pas un pécheur. Barnaba kukuwa mwenye dhambi. Ces gens quand ils ont dit. Wale watu wakati walisema. Libere Barnabas. Hey, mtu wache Barnaba. Ils avaient raison. Walikuwa na sheria. Tous les pécheurs de Barnaba. Mazambi yote ya Barnaba. Quelqu'un a pris ça. Mukuna yule mwenye alibeba. Ah.
Jésus est devenu Barnabas. Barnabas est devenu Jésus. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Si tu crois les messages, tu deviens Jésus. Jésus devient toi. Oh, tu as volé. Je n'ai jamais volé. Mais si le voleur, c'est Jésus. Oh, tu as pris les femmes d'autrui. Je n'ai jamais pris les femmes d'autrui. C'est Jésus. Ni Yesu. Barnabas était dans les cachots. Barnabas a les coucoules coubolo. Il attendait la mort. Il connaît à couffé. Il a attendu le poids. Akasiki en kotembele à Waskari. Go. Go. Il dit oh. Mioyo. C'est ma mort. Eh, ni loufri anguleo. C'est ma mort. Ni leo ni takufa mie Barnaba. Crocotte. Eh, wana fungula, fungula, fungula. Fungula. Barnabas. Barnaba. Eh, mioyo. Je suis parti. Ah, mie leo mina koufa. Pourquoi tu es triste? Wani ni kouzuni? C'est ma mort. Eh, mie ni loufri anguleo. Apala. Tu es libre. Oh, peuple de Dieu. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes triste? Si vous croyez ce message, vous êtes libre. Pourquoi vous êtes triste? Vous êtes libre. Est-ce que tu peux dire je suis libre? Il dit, moi, voleur, mais Mouizi, qui t'a dit que tu es voleur? N'a ni alikolese à Barnaba ou comme Mouizi. Qui t'a dit que tu es voleur? N'a ni alikolese ou comme Mouizi. Il y a un voleur qui meurt à ta place. Kuna Mouizi, mon yéko na koufa koule. Tout ce que tu avais là, il est yote nyo olifanya, est tombé sur lui. Balisha mwangushi ya onjo yeye. Écoutez ce marteau là. Oui, si qui a kispi kona popo la koule. Écoutez le marteau. Si qui a koule kispi kona piga. C'est quoi? Nini? Il y a quelqu'un yule, qui a pris ta place. Mwenye alibeba fasi yako. La mort que toi tu devais mourir. Lui. Lui meurt. Yeye anakufa. Pour que toi, il weye, tu sois libre. Ukwe uru. Oh frère. Hey, tuku. Je ne commets je ne traiterai pas le péché. Je refuse le péché. Parce que quelqu'un est devenu péché. Pour que moi je sois parfait. Je réclame ma perfection au nom de Jésus. Je réclame ta perfection au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous pouvez dire amen? Alors, je suis saint. Personne ne peut me tâcher. Et Barnabas commence à marcher. Barnabas les militaires. Ils ont commencé. Il dit, personne ne peut me toucher. Oh, dis à la maladie. Tu n'as pas droit de me toucher. Quelqu'un est devenu malade. Pour que je puisse avoir la bonne santé. Oh, quelqu'un est venu nu. Il est mort nu. Double ce n'est pas comme on le met avec. Aiko kizo mtana kakitambala kanguo apana alikuwa kabisa pasipo hata nguo kidogo ili wewe ujivike mimi nimepatia manguo mtina Yesu je vous donne les habits au nom de Jésus. Tu ne peux pas marcher nu. Ah ouais, est-ce que tu aimes pas son mabazi apana. Je le refuse au nom de Jésus. Quelqu'un est resté nu. Pour que toi tu puisses le faire. Si tu le crois. Au nom de Jésus. Mangu est à toi qu'à ta moumouchi. Les habits même l'arbre peut te donner les habits. Même les arbres vont te honorer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même un fou va t'honorer. Même le président va t'honorer. Alléluia. Alléluia. Il commence à partir. Ananza kwenda. Adam. Adam. Où es-tu? Ukwapi. Adam. Adamu. Tout le monde ont fui.
Kila mtu anapasha kukimbia. Tout le monde en fuit. Watu wote wakakimbia. Il est resté seul. Akabaki mwenyewe. Adam. Adamu. Où es-tu? Uko wapi? Vous savez, Jésus a échoué. Munajua Yesu alishindwa. Il arrive en cours de route. Anafika munjia. Il ne pouvait pas marcher. Anashindwa hata kutembea. Anachoka. Diable alenda mwafe. Shetani akaenda mugena. Il a échoué à atteindre Golgotha. Alishindwa kufika Golgotha. On le pousse. Wanamsukuma. Il ne pouvait pas encore même mettre. Hakuweza hata kufanya tena hatua moya. Amen. On regarde Marie. Wanangaria Maria. Mbio. Pierre. Petro. Anapotea. Jean. Yohane. Anapotea. Les anges au ciel disent. Wana malaika mbiguru nasema. Dieu. Mungu. Fini. Inaisha hapa. Il est parti. Yeye mwenyewe ameshindwa. Tout le monde fuit. Kila mtu aisha mkimbia. Dieu regarde dit. Mungu anangaria. Où est-ce que je vais trouver sasa, un numéro? Nitapata wapi? Où est-ce que je vais trouver un numéro? Et nitapata wa kusaidia wapi? Il regarde chez les blancs. Anangalia kwa wazungu. Personne. Hakuna. Il va chez les Indiens. Anangalia kwa Wahindi. Il regarde les Indiens. Anangalia Wahindi. Personne. Hakuna. Il va chez les Métis. Anaenda kwa Wameti. Il regarde les Métis. Anangalia Wameti. Personne. Hakuna. Il regarde les jeunes. Anangalia wajone. Personne. Hakuna. Il a dit hey, Amina. Où est-ce que je vais trouver? Wakanda pata mutu. Il regarde chez les Noirs. Anangalia kwa Weusi. Il trouve un numéro. Ayakutanisha ule kusaidia. Oh peuple noir. Hey, taifa Weusi. Nous sommes dans la rédemption. Je tuko katika ukombozi. Oh peuple noir. Hey, taifa Weusi. Nous sommes dans la rédemption. Tunajulikana katika ukombozi. Kwa sababu yeye ni determiné. Pasipo sisi hakuwezekane. Mweusi. Wasema wewe. Wewe ndio usaidie. Jina la Yesu. Le noir sacha. Ule mweusi anasimama. Idia Jésus. Anaendea Yesu. Repose toi. Wewe pumzikie hapa. Donne-moi la croix. Unipatie msalaba. Donne-moi la croix. Mimi naibeba. Idia Jésus. Anaendea Yesu. Suis-moi. Unifuate. Jésus commence à suivre. Bwana atakwe. Alléluia. Amina. Et Jésus. Il regarde noir. Anangalia mweusi. Ante de le regarder. Akimwangalia. Le noir ante de partir. Akienda naye. Le noir prend la croix. Ule mweusi anabeba msalaba. Du chemin. Kumunjia. Jusqu'à Golgotha. Akifikiza Golgotha. Nous avons amené la croix. Kwa ajili ya kumsaidia msalaba. À la destination. Kufikiza maelekeo. Est-ce que vous pouvez dire amen? Endelea kusema amina. Il dit à Jésus. Anaendea Yesu. J'ai accompli. We kazi imetimilika. Maintenant. Hapa sasa. Continue la rédemption. Wendelesha ukombozi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Endelea kusema amina. Est-ce que vous pouvez dire amen? Endelea kusema amina. Et vous le savez frère. Munajua. La Bible n'en parle pas. Biblia haisemezee hayo. On n'a jamais parlé de cet homme. On l'a oublié. Même les apôtres. Ils ont écrit la Bible. On ne l'a pas cité. Au temps du soir. Au temps du soir. Un homme est venu. Mutu moja nakuya. Il a regardé dans les majumel. Akangalia mudarubini yake. Je lui ai rappelé. Mungu akamkumbusha. Il y a un homme. Kuna yule. On n'a jamais parlé de lui. Ule mwenye wakumwelezea. Il est dans cette Bible. Mui Biblia hii. Il a fait la grande chose. Ye alikuwa na ile kibaya. Mais on ne parle pas de lui. Ewa musemezea tafasi. Va. Wewende. Parle à ce peuple. We sema na ile taifa. Va madame dit. Double ma sema. L'homme noir. Ule mutu mweusi. C'est l'homme le plus spirituel. Ni ule mutu akiro zaidi. De toutes les races. Kupita maukozo. De toutes les races. Kupita marangi yote. Vous êtes le plus spirituel. Ni akiro zaidi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amina? Est-ce que vous pouvez dire alléluia? Est-ce que vous pouvez dire alléluia? Oh frère. Il y avait un aveugle noir qui est venu chez frère Banam. Frère Banam a prié sans résultat. Il prie encore sans résultat. Il prie encore sans résultat. Il dit dans un cartouche de Joseph là. Il dit Seigneur,
Je me souviens, je kumbuka kuna siku quand tu as échoué. Wakati ulishindwaka. Amenez la croix. Eh, kulikuwa kibeba msalaba. Sur calvaire. Mwile njia Calvario. Il y avait un noir. Kulikuwa mutu. Il y avait un noir. Kulikuwa mweusi. Qui a transporté ça? Mwenye alibebe le msalaba. Pour l'amener. Kwa ajili ya kuifikiza. Devant moi. J'ai sa fille. Et niko na binti yake mbele yangu. Amina. J'ai sa fille. Niko na binti yake mbele yangu. Souviens-toi de cela. Ukumbuke ile. Il parle seulement comme ça. Anasema tu vile. Le ciel bouge. Mbingu inatenka. Le ciel bouge. Mbingu inatenka. J'ai de ça. Mungu anashuka. Il guérit. Anaponesha ule. Le même Dieu. Ule mmoja mmoja. Est ici. Iko hapa. Vous êtes les enfants. Nini muko watoto. De ces noirs là. Wa ule mweusi ule. Vous êtes les enfants. Nini muko watoto. De ces noirs là. Ya ule mweusi ule. Au nom de Jésus. Mujina le Yesu. Tout ce que tu as besoin. Yote kolo lazima. À cause de ces noirs là. Kwa sabu ya ubwana ule. Laissez-le. Wipoke ya yo. Au nom de Jésus. Mujina le Yesu. Si tu es malade. Kwa kama ni mugonjwa. À cause de ces noirs là. Kwa sabu ule mweusi ule. Laissez-le la guérison. Wipoke ya yo. Si tu es pauvre. Kwa kama uko maskini. À cause de ces noirs là. Kwa sabu ule mweusi ule. Si tu as des problèmes, accorde à ces noirs-là, laisse-moi la solution. Je voulais dire, frère, accorde à ces noirs, quelle autorité suprême reste sur vous. Accorde à ces noirs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Accorde à ces noirs-là, si tu n'es pas adopté, sois adopté. Accorde ces noirs. Si tu n'as pas les livres au nom de Jésus, mange le livre. Mange le livre. Mange le livre. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous les croyez? Si vous les croyez, au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez sauvés. Soyez transformés au nom de Jésus. Je n'oublie pas. Aujourd'hui, c'est votre salut. C'est votre salut. Est-ce que vous pouvez dire amen? Jésus. Yes. Vous savez, frère, quand frère Branham est mort, tous les gens ont fui le message. Ses propres familles sont restées à la maison. Tous les blancs abandonnés. On ne connaissait même pas Dieu. On ne connaissait. Tu vas en Amérique. Tu demandes qui est Branham. Branham ni nani? On ne le connaît pas. Atu ya sikiaka Branham. Je prends les vols. Eh, Mungu anabeba. Il prend la balle. Anabeba footballo. Il met ici. Anatia mukilari. Je connais un peuple. Anasema najua taifa. C'est l'Afrique. Kule kwa Afrika. Il prend les paysages. Anachukua. Afrique. Anashutula inaenda kwa Afrika. Il arrive ici. Inafika hapa. Les médias africains. Eh, mkono wa Afrika. Wanapokelea hapa. Wanachusha hapa. Wanatia mgulu. Alleluia. Amina. Frère Branham prophétise. Et nous maintenant les noirs. Wa usi. Viendront vous prêcher. Watamihubiri. Les noirs. Wa usi. Viendront vous démontrer ce message. Watamishuhudia ujumbe. Aujourd'hui. Leo. Cette écriture. Ile andiko. Est accomplie. Imetimilika. Devant mbele ya macho yenu. Alléluia. Amina. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et on est dans ce Amina. Oh, hey. Nous avons secoué le monde. Et tout a tenté Chadounia. Il est dit. Yeah, frère Branham a dit. Double maïsema. Frère Branham a dit. Double maïsema. Les Joseph. Ouais, Joseph. À la maison. Écoute les nyumbani. Ils ont attendu. Wakasiki. Vous dormez. Et mon alala. L'Afrique moto. Coule Afrique, coule kuna moto ya ujumbe. Il y a moto moto. Écoute kuna moto. Vous êtes là. Mukwapa. Il y a des gens qui deviennent millionnaires. Kuna watu wanakuwa millionnaire. À cause de la parole. Kwa sababu ya neno inahubiriwa. Quand ils se réveillent, wanamuka. Ils arrivent en Afrique. Wanafika kwa Afrika. Moto. Moto kabisa. Billy Paul arrive à Kinshasa. Billy Paul anafika Kinshasa. Je rêve. Niko na lota. Wala niko naona.
Tous ces gens ici. How what water happen? Il croit le message. Wanaamini ujumbe. Oui. Dio. Tu as pris le message. Mungu alibeba ujumbe. Akaituma kwa Afrika. Aujourd'hui. Leo. Nous allons vous prêcher. Tutamihubiri. Alléluia. Amina. Aujourd'hui. Leo. L'Amérique. America. Bush. Inatenga. Avec les missionnaires noirs. Kupitia wa missionnaires ya Kiafrika. À cause de cela. Kwa sababu ya ile. Au nom de Jésus. Mujina Yesu. Recevez la bénédiction. Mupoke baraka. Amen. Je mets un accent. Mina sema hivi. Je dis d'abord l'Afrique. Et ni sema kwanza Afrika. Mais surtout. Anakin sana sana. Le Congo. Congo. Oh peuple congolais. Eh taifa kongomani. Peuple congolais. Eh taifa kongomani. Vous allez en Zambie. Munaenda kule ku Zambia. Nous sommes là. Tuko pale. Malawi. Munaenda Malawi. Nous sommes là. Tuko pale. Zimbabwe. Zimbabwe. Nous sommes là. Tuko pale. Munaenda Afrika Kusini. Nous sommes là. Tuko na ubiri. Munaenda Amerika. Nous sommes là. Tuko na ubiri kule. Qu'est-ce que nous faisons? Nini tunafanya? Nous agitons les messages. Tunatekesha ujumbe. Oh peuple noir. Eh taifa nyeusi. Peuple congolais, au nom de Jésus, soyez béni. Mubarikiwe. Non mais, maman Mazé, soyez béni. Mubarikiwe. Murizala batoto. Et que vous donniez les enfants. Mungu amibariki. Et que Dieu vous bénisse. Mantumba yenu barikiwe. Et vos mariages sont bénis. À cause du message. Iko mutulia mujima. Aujourd'hui le message est partout dans le monde. Mantumba yenu. Et parce qu'à cause de vos enfants. À cause quoi dire il est. Mungu amibariki. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus. Yesu. Il meurt. Anakufa. Il va au ciel. Anaenda mbinguni. Il dit à Dieu. Anaisea Mungu. Je suis venu prendre les livres. Mina kuja kubeba kitabu. Dieu lui dit. Mungu. Ce n'est pas ton livre. Anasema. Sio kitabu yako. Si je te le donne. Kama mina kupatia na yo. Tu vas le donner à qui? Utepatia nani? Équation. Ulizo inakosa jibu. C'est vrai? Ni kweli kabisa. Ce n'est pas mon livre. Aiko kitabu si yangu. Je le prends maintenant. Kama nebe baba sasa. Nitepatia kitabu nani? Anangaria watu. Hakuna mtu sawa Adamu. Amen. Ni tunabaki terminer. Anasema kumaliza. Unapasha kutafuta Adamu. Nimesha la promise je peux pas le faire. Mimi niko na malako tena wengine kwenda duniani. Anasema pana. Alors j'envoie mon esprit. Sasa mimi natuma roho yangu. Il passe 7 étoiles. Anabeba manjota 7. Il envoie le premier. Anatuma ya kwanza. Adam. Adamu. Voilà chercher Adam. Et Paulo anatafuta Adamu. Akupata Adamu. Irene vie. Irene anakuya. Adam. Adamu. On a pas trouvé. Awakupata Adamu. Hakuna. Adam. E mwingine anakuya Adamu. Ni constitué Adam. Mungu iko natunga Adamu. Luther vie. Luther anakuya. Adam. Adamu. Hakuna Adamu. Wesley vie. Wesley anakuya. Adam. Adamu. Je reste avec. Mungu anabakia. Une étoile. Na nyota imoya tu. C'est fini. Asa basi naishi. Si celui-ci rate. Kama hii inakosa. Tout l'œuvre que nous avons fait. Ile kazi yote ile yenye tulifanya. Inakuwa kabisa ya bure. Il dit. Anasema. Cette fois-ci. Hii mara hii. Tu ne vas pas seul. Hautaenda wewe mwenyewe. Amen. Je descends avec toi. Mina shuka pamoja na wewe. L'étoile née. Et note nazaliwa. La colonne de feu là-bas. Nguzu ya moto iko pale. L'étoile marche. Note natembea. La colonne de feu marche. Nguzu ya moto iko namfuata. Il se met. Anaikala. Nayo inaikala. Il marche. Anakula iko pale. Il va en brousse. Anaenda kupori. Alléluia. Amina. Il touche la cigarette. Anakusa tumbako. Tupayo. Il touche la boisson. Anakusa pombe.
Les femmes veulent arriver en retour. Wa bibi wanakuja kupima. Les yeux rouges. Et macho inakuwaka. Usipime we. Usipime. On ne protégeait pas Branham. Awaliko awa king Branham. On protégeait le temps. Waliko ki king azawadi. Le plus grand don. Il est zawadi kubwa zaidi. Était sur la terre. Il est quoi duniani? La colonne de feu. Kusu ya moto. Protégeait cela. Iko ki king ayo. Adam. Adamu. Je t'attends. Mungu iko na kungoya. Adam. Adamu. Tu as quelque chose de spécial. Uko na kitu moja upeke. L'autorité suprême. Ile mamlaka wa juu zaidi. Mungu anachukua mtu. Kaila telaj. Wakati nafika mumiaka. Il dit, mais comment? Ah, c'est ça, ça. Adam, où es-tu? Où quoi? Il attend quelqu'un qui répond. Iko na ngotia ule mwenye tajibu. Je suis là. Mie niko pale. Monte à Sanseti. We panda kule ko Sanseti. Quand il monte à Sanseti. Wakati na panda ku Sanseti. Jésus dit maintenant à Père. Yesu anasema kisha. Père. Baba. J'ai trouvé Adam. Mina pata Adamu. J'ai trouvé quelqu'un. Mina pata ule mutu. Pour prendre les livres. Mwenye anaweza kubeba kitabu. On les regarde. E Mungu anangalia. On voit un homme avec Alvis. Anaona mutu na libala. Sans force. Tu peux passer à côté. On est à terre mupita. Avec une vieille forte. Et on a pita à qui pita en plein du travail. Ikona à la fin la kabebelea. On regarde. Anangaria. Yeah. Attends. Tu es venu. Umekuya tena. Monte à Sanseti. We panda ku Sanseti. Je descends. Mungu anashuka. Pas avec le Saint-Esprit. Apana na Rome takatifu. Avec les livres. Na kitabu. Il descend. Anashuka. L'homme monte. Mutu anapanda. Il arrive là-bas. Anafika pale. Ils ont pris les livres. Wakabeba kitabu. Mange. Asema kula ayo. Anakula. 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 Tous les mystères. Masiri sote. Paul. Paulo. Irénée. Colomba. Martin. Martino. Elitain. Fulani. Wesley. Yote anameza. Jésus. Yesu. Anameza. Quand il marchait. Wakati alikuwa akitembea. Tous les noms de rachetés. Majina ya wale wote walikuwa. Ilikuwa ndani ya mutu. Tous les noms. Majina zote. Mama. Mama. Tous les noms. Majina yote. Dans un nom. Ilikuwa ndani ya mtu. Akitembea. Dans la bouche. Ndani ya kinywa. C'était. Ilikuwa. Sweet. Ilikuwa butamu. Ça arrive dans le ventre. Inafika mutumbo. Dieu lui dit. Mungu anamwelezea. Ce n'est pas seulement pour toi. Haiko tu kwa ajili yako. Il y a les kalonji là dedans. Kuna wakalonji mule ndani. Il y a les mulumba. E kuna wafulani. Il y a des gens. Ina kuna wafulani. Il y a les nevi. E kuna manevi. Il y a ces ces. Kuna wafulani na wafulani. Prophétise. We tabiri. Et quand il commence à prophétiser. Wakati anaanza kutabiri. Ça commence à sortir. Inaanza kutoka. Allez vous chercher. Mwende kwa jitafute. Alléluia. Amina. Et aujourd'hui. Na leo. Si tu crois. Oui, comme on a mis. Tu manges aussi ton nom. Unakula pia jina lako. Alléluia. Amina. Maintenant lisons. Sasa tusome. Ce que frère Branham a dit. Ile enye ndugu Branham alisema. Il dit dans 300 brèches 301. Anasema katika brèche ukaraseke ya 301. Il dit. Anasema hivi. La première chose. Ile kitu ya kwanza. Qui représente la rédemption. Enye inawakilisha ukombozi. C'est l'agneau. Ni mwana kondoo. Amen. Amina. C'est l'agneau qui prend le livre. Ni mwana kondoo mwenye anabeba kitabu. Après l'agneau. Kisha mwana kondoo. Immolé dès avant la fondation. Mwenye alichinjwa mbele kuliko misingi ya dunia. C'est 301. Katika ukara kifunga 301. La brèche. Ce qu'il lise.
Qui est venu? Oui, il a pris les livres. Il a dit gloire. Est-ce que vous pouvez dire aussi gloire? Il a ouvert les livres. Il a arraché le sceau. C'est Jésus. Ni Yesu. Qui ouvre les livres? Et puis qui ouvre? Qui na, brise les sceaux. Il a envoyé sur la terre. Ye akatuma duniani. À son septième ange. Ule malaika wake wa saba. Les livres là. Il est kitabu ile. Ce n'est pas le premier ange. Aiko ule malaika wa kwanza. Pas le deuxième. Apana wa pili. Pas le troisième. Apana wa tatu. Pas le quatrième. Apana wa ine. Pas le cinquième. Apana wa tano. Le sixième. Apana wa sita. Et après? Na. Il le donne au septième. Anipatia kwa yule malaika wa saba. Jésus ne vous a pas donné de livre. Yesu akumipatia mwe kitabu. Il prend les livres. Ye anabeba kitabu. Il donne au septième message. Anaipatia kwa ule mujumbe wa saba. Maintenant. Sasa. Le septième message. Ule mujumbe wa saba. Il le prend. Ye anaibeba. Il le révèle aussi à son peuple. Anaifunulia pia kwa taifa yake. Ça marche. Ikaendeka. Le père le prend. Baba anaibeba. Il le donne au fils. Anaipatia kwa mwana. L'agneau. Mwana kondo. L'agneau le prend. Mwana kondo naibeba. Il le donne au septième message. Anaipatia kule mujumbe wa saba. Le messager prend. Ule mujumbe na anabeba. Anaipatia mwe. Donc nous, nous n'avons pas reçu ce livre par Jésus. Jésus a donné à Branham. Yesu alipatia onjo kwa Branham. Branham anaibeba anatupa. C'est pourquoi il a dit. Njoman alisema. Amène le Jean. Ufikize watu. Wa kuamini. Si tu ne crois pas Branham. We kama amini Branham. Tu n'auras pas les livres. We autapata kitabu. C'est lui qui a les livres. Yule mwenye iko na kitabu. Et celui qui le donne. Na ye ndio mwenye anaipatiana. Et si tu crois, na weka mona amini, dans le prophète, eku nabii, tu as le droit du livre. Uko na haki ya kupata kitabu. Est-ce que tu as besoin du livre? Et tu kuna lazima kitabu. Si tu as besoin du livre, weka mona lazima kitabu. Crois. We amini, dans le septième message. Kwa ule mujumbe wa saba. Est-ce que tu le crois? Et tu na muamini. Si tu le crois de tout votre cœur. Weka mona moyo yote. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Recevez le livre. We pokea kitabu. Et fais madame midi. Dubla masema. Il donne wakata na ile l'agneau prend et mwana kondo na ibeba. Il le donne à septième message. Anaipatia kule mujumbe wa saba. Il n'y avait rien au ciel. Akukufanya kitu. Mais quand le septième message le prend. Alakini wakati ule mujumbe wa saba na ibeba. Et il le donne à son peuple. Anaipatia kwa taifa yake. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Écoutez frère Branham. Sikia ndugu Branham. Frère Branham dit. Ndugu Branham asema hivi. Quand il est donné au septième message. Wakati na ipata kule mujumbe wa saba. Et le septième message pour le mujumbe à son peuple. Et kwa jina kuifunulia kwa taifa yake. L'assemblée commence à se réjouir. Et kusaniko naanza kufurahi. Soyez ensemble avec l'assemblée. Et mkuwe pamoja na ile kusaniko. Est-ce que vous êtes ensemble avec l'assemblée? Et mkuwe pamoja na ile kusaniko. L'assemblée commence à se réjouir. Kusaniko naanza kufurahi. Oh là là. Emma. Qu'est-ce qui s'est passé? Sasa nini lipitikana? Il y avait les cris. Kulikuwa kulalamika. Les acclamations. Mashangwe. Les alléluia. Alléluia. Les joies. Enema. La puissance. Uwezo. La gloire. Utukufu. Et la manifestation. Na pia kulekana. Oh peuple de Dieu. Hey, taifa ya Mungu. Quand les livres entrent à toi. Wakati kitabu lingia ndani yako. Qu'est-ce qui va se passer? Nini tapitikana? Ce n'est pas la tristesse. Aiko sawa mtu kuna huzuni. Ce n'est pas la mauvaise. Aiko mkono mulichafu. Ce n'est pas comme ça. Aiko kwa huruma hivi. Quand les livres entrent à toi. Lakini wakati kitabu lingia ndani yako. Qu'est-ce qui se passe? Nini tapitikana? Il y a les cris. Ikuna malalamiko. Il y a les alléluia. Kuna haleluya. Il y a la gloire. Kuna utukufu. Il y a la puissance. Kuna uwezo. Il y a la manifestation.
manifestation. Au nom de Jésus. Maintenant je les réclame. Les livres descendent. Mange les livres. Maintenant. Au nom de Jésus. Si tu manges les livres. Au nom de Jésus. Je vous donne les cris. Je vous donne les acclamations. Je vous donne la puissance. Je vous donne la gloire. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, l'écrit n'est pas au ciel. Là où il y a les livres, c'est là où il y a l'écrit. Et l'écrit, ça relève même les morts. Au nom de Jésus, recevez l'écrit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous mangez les livres, je vous donne les acclamations. Oh, peuple de Dieu! Peuple de Dieu! Les pentecôtistes! Ils ont le bruit! Ils n'ont pas les cris! Ils n'ont pas les acclamations! Si vous n'avez pas les livres, tu ne peux pas avoir les acclamations! Tu ne peux pas avoir les cris! Ce sont des bruits! Sans valeur! Mais nous, nos créants, nous acclamons! Parce que! Le livre n'est pas au ciel. Le livre sur la terre. Au nom de Jésus. Mangez les livres. Si vous mangez les livres, l'autorité suprême. L'autorité suprême. Qui était au ciel. Est descendue. Frère Branham dit. Vous regardez là la perruque blanche. Il a la perruque blanche. Vous voyez la perruque blanche. Frère Branham dit, c'est l'autorité suprême. Et cette autorité, c'est le pouce. Cette chevelure là, c'est le pouce. Il y avait Paul. Quand Paul est venu, il est venu avec l'autorité, mais incomplète. Il ajoute. C'était incomplète. Martin vient, il ajoute. Incomplète. Luther vient, il ajoute. Incomplète. Wesley vient, il ajoute. Incomplète. Quand Branham vient, ça devient l'autorité Mamlaka suprême et complète. Peuple de Dieu, nous n'avons pas une autorité incomplète. Nous avons l'autorité complète. Au nom de Jésus, recevez cette autorité. Si vous les recevez, je vais voir Adam restauré. Rudishwa. Alléluia. Amina. Adam était créateur. Adam alikuwa mumbaji. William Branham était créateur. William Branham alikuwa mumbaji. Il a créé les écureuils. Et aliumba makindi. Mais si tu les crois aussi. Wewe kama unaamini pia. Au nom de Jésus. Wewe pia mujina Yesu. Tu seras créateur. Wewe pia utakuwa mumbaji. Pas demain. Hapana kesho. Aujourd'hui. Lakini leo tunasema. La puissance de création. Mwapatia ile uwezo wa kuumba. Frère Branham dit, nous sommes les créateurs. Je peux créer l'atmosphère. Est-ce que tu crois que tu es créateur? Est-ce que tu crois que tu es créateur? Aujourd'hui, l'autorité suprême n'est pas au ciel, mais sur la terre. Réclamez maintenant ton droit. Réclamez ton droit. Tu n'es pas un bécailleur. Mais tu es le fils. Tu as droit à l'autorité suprême. Ne cherchez pas pour Frère Branham. Ne cherchez pas pour le pasteur. Cherchez pour toi. Ton autorité suprême. Est-ce que vous êtes prêts? C'est que Paul cherchait. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie.
devant vos yeux. Aujourd'hui, Léo, si vous croyez, ami, je vous donne l'autorité suprême. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Parlez maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai l'autorité suprême. J'ai aussi l'autorité suprême. Qui a l'autorité suprême? J'ai l'autorité suprême. Le message est à moi. Il n'est pas dans ma tête. Il est dans mon cœur. Le message, l'autorité est à moi. C'est qu'Adam a perdu. Aujourd'hui est à moi. Si tu le crois, si tu le crois, il avait cette autorité. Il est allé chez Tiraïti. Il a dit à Tiraïti, j'ai créé. J'ai créé les écureuils. Pas la création de Dieu. Ma création. J'ai mangé ma création. Atira te dit. Oh, frère madame. Je le crois. Quand il croit, la même puissance, la même autorité, le même pouvoir. Qui était à William Branham, il quitte William Branham, il rentre à la Tiraïti. Il y a Tiraïti. La même puissance, il est où le même âge, il est malaka moja moja, est à toi. Il condamne à quoi? Il m'a dit, moi j'ai prononcé pour les écureuils. Ce n'est pas mon temps maintenant. Ce n'est pas mon temps maintenant. C'est ton temps. Prononce la parole. Ouais, tout ce que tu as besoin, ouais, pas demain, hey, baba. Maintenant même, tu vas recevoir. Oh, Atiraïti, hey, Atiraïti. Est-ce que tu crois William, hey, Branham? William Branham, si tu le crois, ouais, la même puissance, il est qui a créé les écureuils, entre en toi. Demande ce que tu as besoin. Demande ce que tu as besoin. Je vous dis, frère, nous sommes plus qu'Atiraïti. Oh Congolais, hey, Congomani, vous êtes plus qu'Atiraïti. Atiraïti, il a cru. Ali Amini, il a vu William Branham. Ali Uwaka Branham, il a vu les miracles. Il a vu les choses. Ali Onaka Mabitu. Mais nous, sans avoir vu, sans avoir vu, à partir des papiers, nous avons regardé. Nous avons dit. Même si tu viens par les papiers, nous les croyons. Et la Bible dit, béni celui qui croit sans avoir vu. Vous êtes béni. Votre foi est grande sans avoir vu. Mais tu crois. Si Atiraïti a demandé pour les deux enfants, si tu as 10 enfants, au nom de Jésus, jette les dons. Réclame tes enfants, frère. Est-ce que vous êtes prêts? Même si c'est un voleur, à cause de ce message, tu peux le réclamer. Même si c'est une prostituée, à cause de ce message, tu peux le réclamer. Au nom de Jésus, je te donne tes enfants. Réclame tes enfants. Tu as le Saint-Esprit pour tes enfants. Tu peux donner les saints à tes enfants seulement par. Alléluia. Amina. Frère Branham a dit, moi je ne parle pas, toi parle. Si tu as besoin de millions, des dollars dans votre maison, moi je ne parle pas, parle à Tiraïti. Oh peuple de Dieu, si tu es pauvre, parle seulement. Autorité.
chrétien suprême. Vous êtes les chanceux. Vous êtes les chanceux du monde. Vous êtes les chanceux du monde. Crois ces messages. Tu es les chanceux du monde. Tu es plus que les anges. Tous les anciens de ta mort. L'Ancien Testament. Tu les dépasses tous. Aujourd'hui, c'est ta visitation. C'est ta visitation. Tout ce que tu as besoin, selon ta foi, au nom de Jésus, recevez-le. Est-ce que vous les croyez? Je suis le créateur de l'intelligence. Je suis le créateur de l'intelligence. Si ton enfant n'est pas intelligent à l'école, on va créer l'intelligence. Si vous avez les enfants qui vont faire l'examen, qui ne trichent pas, ce n'est pas nous de tricher. Ce sont les païens de nous tricher. C'est les enfants de païens qui doivent tricher nos enfants. Nous nous prions seulement. Le Dieu de l'intelligence. Le Dieu de l'intelligence. Oh, peuple de Dieu. Tu es à l'université. Tu veux être intelligent. L'intelligence n'est pas au ciel. Il est dans le message. Prends seulement le message. Viens prendre les mains de l'Éternel. Il y a l'intelligence. Au nom de Jésus. Je te donne l'intelligence. Tu es tu as besoin de business. Tu as besoin de business. Je suis le créateur. Parle. Parle. Nous ne dépendons pas de Tshisekedi. Nous ne dépendons pas du gouvernement. Nous ne dépendons pas du Congo. Nous dépendons du livre. Nous dépendons du livre. Nous dépendons de l'autorité. Même si tout le monde meurt de faim, toi, tu ne mourras jamais de faim. Au nom de Jésus, parle. Parle. Le Dieu que tu as, il est plus que le pouvoir que tu as. Il est plus que le pouvoir d'Élie. Élie, avec une petite révélation, il a multiplié. Il a multiplié la farine et l'huile. Mais toi, tu es plus que Élie. Au nom de Jésus, que votre business, même si tu vas les arrachés. Au nom de Jésus, je les bénis. Est-ce que vous êtes avec moi? Que l'autorité vous accompagne. Que le pouvoir vous accompagne. Est-ce que vous avez le pouvoir? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Oh, ma soeur. Ma soeur. Tu pries pour le mariage. Jeune frère. Tu pries pour le mariage. Le mariage Doa est en toi. Ikondaniako est en toi. Ikondaniako. Même si ton mari est en Amérique, atakama bwana koneza ku Amerika, tu le réclames. Il va quitter l'Amérique. Atatoka Amerika. Il vient ici. Atakuya hapa. Je te dis une chose. Même s'il si n'existe pas, atakama ye, aya tu peux le créer. Uneza kumumba. Amen. Même si elle n'existe pas, tu peux le créer. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il y a une sœur à Harare qui m'a donné un témoignage. Elle n'avait pas des enfants, maintenant il voulait un enfant. Il a entendu le message de l'autorité. Il dit à son mari, j'aurai un enfant. Il dit, il entre dans la chambre. Il commence à créer l'enfant. Il dit, je veux que mon enfant puisse avoir la tête de cette forme. Avec les yeux de cette forme. Avec le nez de cette forme. Avec la taille. Les yeux. Les tailles. Amen. Il dit, anasema, dans un mois, mumwezi moya, il trouve qu'il était déjà. Anaona tayari amepata bujito. Je suis l'autorité. Anasema mimi niko ile mamlaka juu zaidi. Comme Dieu, sa Mungu, il m'a donné cet enfant. Alipatie mtoto. Je vais
donner le témoignage. Parce que les gens vont dire non. Il commence à témoigner. Mon enfant. Regardez les mains de son père là. Les yeux. Il commence à détailler. Et quand elle a donné l'enfant, les gens sont venus. Regardez le bébé. Il trouve le bébé. Exactement. Oh, peuple de Dieu. Au ciel, il y aura beaucoup de témoignages. Nous allons donner des témoignages. Si tu le crois, au nom de Jésus. Recevez cela. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire alléluia? Tu peux créer. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin. Crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Le Dieu de William Branham. Il est ton Dieu aujourd'hui. Je refuse le Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'histoire est devenu la réalité. Si c'est la réalité, pourquoi pleurer? Pourquoi tu te tiens à la joue? Pourquoi tu te tiens comme ça? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'esprit consolateur. Le message est venu vous consoler. Au nom de Jésus, recevez la consolation. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous donner la victoire. L'autorité est venue. Cette autorité, il est ici. Alléluia. Amina. C'est à toi de le croire. Si tu le crois, au nom de Jésus, reçois l'autorité. Si tu reçois l'autorité, tous les démons vont rester. Et ta kauka. Alléluia. Amina. Tu entres dans le bus. Mubisi, si il y avait des démons de accident, la présence c'est le. La présence c'est le. Dans le bus. Katika bis. Tu deviens le sauveur. Mokozi. Tu deviens le sauveur de tous les bus. Alléluia. Amina. Vous savez, frère. Nous sommes les sauveurs du monde. Si tu connais que tu es un sauveur, c'est nous les saints. Et si on dit, je vois le sang. Ce n'est pas le sage. C'est l'épouse. Tant que vous êtes sur la terre, la terre est protégée. Tous les Obama, tous les gens qui font la science, c'est nous qui les protégeons. Une fois nous quittons la terre, c'est le feu qui arrive. Alléluia. Amina. Tu es sauveur. Même dans ta famille, tu es sauveur. Quelque chose peut se passer dans votre famille. Si toi tu y entres, tous les sorciers, ils fuient. Ils fuient toi. L'autorité suprême. Oh peuple de Dieu, aujourd'hui tu es l'autorité suprême. Les sauveurs de ta famille. Alléluia. Dieu ne connaît pas les Kassaïens. Il te connaît toi. Les Kassaïens sont sauvés. Sont protégés. À partir de toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu es là. Pour protéger les gens. On dit. Frère malade. Il fait l'accident. On l'amène dans l'hôpital. Il entre dans l'hôpital. La présence. Tous les malades étaient sortis. Amen. Est-ce que vous les croyez? Qu'est-ce que c'est? L'autorité suprême. Il entre dans l'hôpital. Le diable le voit. Hey! Il fuit.
le même Dieu de William Branham est en vous. Ta présence ici, tous les malades qui sont dans les salles, peut être guéri. Est-ce que tu le crois? C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Ne t'absente pas dans l'église. Peut-être c'est ta présence qui a délivré le peuple. Quelqu'un peut être malade. Tu entres. Côté. La présence. Il a poné sur le peuple de Dieu. Quelqu'un peut-être. Il est quelqu'un qui n'a pas l'argent. Parce qu'il est seulement à côté de toi. La puissance qui est en toi. Il lui donne l'argent. Oh peuple de Dieu. Je vous l'ai dit. Des agneaux. Quand il fait froid, il se colle. Pourquoi il se colle? Il y a quelqu'un qui a le don de donner l'argent. Il y a quelqu'un qui a le don de donner la guérison. Il y a quelqu'un qui a la guérison de donner la joie. Mais entre nous, nous nous échangeons. Je te donne l'argent. Je te donne la santé. Je te donne la maison. Je te donne la voiture. Alléluia. Amen. Et vous tous. Ensemble, vous êtes l'autorité complète et suprême. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Si tu n'as pas, au nom de Jésus, je te le donne. Aujourd'hui, tout ce que tu as besoin, prononce la parole. Reçois cela. Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin de croire maintenant. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je le réclame. C'est à moi. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin des souffrances. C'est la fin de toutes choses. Maintenant, j'ai l'autorité suprême. Tout ce que tu as besoin. Adam. Adamo. Adam. Où es-tu? Adam. Est-ce que tu es Adam? Es-tu un Adam? Adam, où es-tu? Délivre-la. Adam, Adam, est-ce que tu es là? Es-tu au nom de Jésus, Adam, mange les livres. Oui, kitabo. Au nom de Jésus, mange les livres. Kitabo. Au nom de Jésus, mange les livres. Kitabo. Ouvre la bouche. Pas cette bouche. La bouche de la foi. Est-ce que vous avez la foi? Si vous amenez le gens à te croire, même les cancers ne résistera pas. Est-ce que vous les croyez? Si vous croyez tout ce que vous avez besoin au nom de Jésus, recevez-le. Est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous les recevez? On peut se mettre maintenant debout et dire: Seigneur, je réclame mon droit. Je réclame ma puissance. Je réclame mon droit. Je réclame ma puissance. Est-ce que vous êtes là? Et tu m'as quoi seulement? Quoi seulement? Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.
Aujourd'hui, Léo, je réclame mon droit. Aujourd'hui, Léo, c'est mon autorité suprême. Je ne veux pas que cette autorité reste comme une histoire. Je veux que cette autorité soit mon héritage. Il doit être pour moi. Je le réclame ce matin. Je vais vivre cela. Je veux que cette parole, l'autorité suprême, soit ma vie, soit ma nature, soit mon comportement. Réclame cela, ma soeur. Réclame cela, mon frère. C'est ton droit. C'est ton droit.